Moi j'aime les chiens, ben, c'est pas compliqué en un sens, c'est parce qu'ils sont capables de traduire un état d'esprit que nous-mêmes on n'est pas nécessairement capables d'avoir et qui nous parle énormément. Moi, le fait de me, de me reconnecter avec un chien ça me reconnecte avec toute cette dynamique philosophique que j'ai tendance à faire dans mon quotidien, qui me ramène un peu à la base. Vous savez, eux, à partir du moment où on est là, on leur apporte de l'interaction. À partir du moment où on est à répondre à leurs besoins primaires, juste d'avoir à manger, juste d'avoir un petit peu d'attention, juste de, de, de quoi subvenir leurs besoins fondamentaux, et c'est des êtres les plus heureux au monde. Alors, pour quelles raisons on, on appelle au russe ben La première, c'est l'éducation du chien, tout simplement. C'est-à-dire lui donner ses bases, les bases qui vont lui permettre de devenir un chien socialisé, et capable de pouvoir interagir avec son monde. Je vais également amener à intervenir pour les problèmes de comportement. Quand je parle de comportement nuisible, je vais parler de saut, de jacquement, de mordiment. Même de tirage en laisse. Le problème d'hyperréactivité est vraiment lié à un problème de socialisation à la base que le chien n'a pas nécessairement eu euh, lorsqu'il était euh, dans sa période de construction au niveau euh, émotif et comportemental. Mais attention, nous on les en usine, n'oublions pas que certains de ces comportements sont des comportements naturels du chien. Guéri. Tous les membres de la famille sont vraiment impliqués dans ce projet-là, autour du chien. Pourquoi bah, Tout simplement parce que la famille constitue un environnement pour le chien. constitue également un climat émotif pour le chien. C'est-à-dire que toutes les relations que l'on a, que ce soit le petit bout de chou, que ce soit la maman ou le papa, créent nécessairement une dynamique comportementale et émotive avec le chien. C'est pour ça que j'interviens toujours sur trois axes. J'interviens sur le volet humain, j'interviens sur le chien, mais j'interviens également sur tout l'environnement de cet immobile. En fait, ce que Christophe nous a apporté, c'est qu'il euh, a répondu à nos besoins de base, mais en plus, il nous a amené plein d'outils de, de, pour le quotidien, des choses qu'on ne se rendait même pas compte qu'on pouvait faire pour améliorer la qualité de vie de notre chien. que ce soit dans la façon de l'alimenter, euh, la façon de dépenser son énergie, mais surtout, on a et on a on a corrigé l'ensemble des comportements qu'on qu avait besoin de corriger pour que notre qualité de vie avec Walter soit plus améliorée. La vie, plus belle, elle... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette conférence sur la création du lien de confiance. Elle est-tu pas cute cette magnifique Abigail là, de nous faire un petit coucou et de nous souhaiter une belle vie avec son chien. Je remercie, j'en profite pour remercier infiniment Jennifer et sa famille de nous avoir ben, invité chez elle pour pouvoir illustrer ben, la manière avec laquelle j'interviens quand j'interviens chez Horus. Donc ce petit vidéo qui a été réalisé par Nomad Film. M'a permis de pouvoir justement exprimer un petit peu l'essence de la manière avec laquelle j'interviens quand j'ai le plaisir de travailler dans vos familles, avec vous et avec votre chien. Soyez les bienvenus dans cette conférence dont l'objectif va de vous parler aujourd'hui de la création du lien de confiance. Hop, 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 allez, là on ressort des dossiers. Le lien de confiance, voyons donc, c'est quoi ça le lien de confiance Mais comment ça se fait On a confiance en nous, on a confiance en notre chien, le chien doit avoir confiance en nous, voyons donc. C'est quoi ça, cette affaire-là, le lien de confiance Le lien de confiance, vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à créer. Et surtout, allez, bonjour tout le monde, allez, je vois tout le monde qui commence tranquillement pas vite à, à, à rentrer. Salut France, salut, salut France de la groupe, du, du groupe de, de, de Marche Laurentien, allez, ça, ça. Sincèrement, merci France d'exister parce que des groupes de marche comme ça pour vous permettre justement à vos chiens de pouvoir euh, continuer à se socialiser avec leur propre espèce, mais en même temps d'avoir un échange. Un échange, comment dire, particulier avec vous, c'est hyper important. Donc merci France de toute cette belle job que tu fais pour pouvoir réunir euh, des passionnés euh, de chiens et de faire justement ce groupe de marche, le groupe de marche laurentien. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, c'est hot. Salut Nadine, salut Sarah Maud, salut Karine. Écoutez, on va probablement euh, vous voir arriver tout au long de la soirée. Merci mille fois d'être là ce soir. On va commencer cette euh, conférence. Elle va être enregistrée. Hein, donc pour toutes nos amis qui ne seront pas là en en, en, en direct. Vous allez pouvoir quand même suivre et vous allez pouvoir continuer à envoyer vos commentaires. Moi, je réponds beaucoup de jours et très longtemps après que la conférence ait eu lieu. Fait que n'hésitez surtout pas à nous faire part de euh, vos commentaires. Alors, comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien pouvoir mixer le, ce que je dis et en même temps avoir un support visuel parce que ça peut aider tout le monde euh, à, à, à pouvoir visualiser un petit peu ce que je veux vous expliquer. Ce qui fait que je vais faire comme à chaque fois que j'ai la chance de, de vous rencontrer. Salut Sylvain, salut Marilyn, euh, je vais vous partager tout de suite mon écran qui va vous permettre de pouvoir voir bah, justement la petite présentation que je vous ai faite. Allez, je vais faire des Switch and Maps. N'hésitez surtout pas, salut Sylvain, n'hésitez surtout pas à me poser les questions au fur et à mesure de la conférence. Ça me permettra de pouvoir, au fur et à mesure de chacun des points, vous répondre. Vous le savez, StreamYard, comme l'ensemble des plateformes, il y a des fois des petits décalages entre le moment où je vois vos commentaires ou votre question et le moment où j'y réponds. Mais si je n'ai pas eu l'occasion d'y répondre en live, rassurez-vous, je prendrai le temps de regarder chacun de vos points au fur et à mesure. Le lien de confiance, ce n'est pas quelque chose de facile à construire. Veux, veut pas, si on revient un petit peu à... Salut Nadia, moi aussi tu es trop bonne. Je te fais des gros bisous. Euh, le lien de confiance. Comment on peut parler du lien de confiance de manière euh, évidente Ben, on peut pas. On peut pas en parler de manière évidente. Pourquoi Ben parce que le lien de confiance c'est quelque chose qui va se gagner, qui va se gagner tout au long de la relation que vous allez avoir avec votre animal. Ben oui, c'est clair. Euh, John Bobley, euh, John Bowlby qui était un psychanalyste, un psychiatre, a identifié ce qu'on appelle la figure d'attachement. La figure d'attachement, c'est quoi? Ben, c'est ce qui a été étudié au préalable dans le milieu animalier, et principalement dans le milieu des oiseaux, qui fait que l'oiseau, quand il sort de sa coquille, la première chose qu'il voit, pouf, il fait un attachement, il va être capable de suivre cette personne ou cette chose. Ben oui, euh, si la première chose qu'il voit, c'est une poussette, et puis que la poussette se met à avancer, il est possible que l'oiseau décide de suivre la poussette. Fait que, cette figure d'attachement vous permet en un sens de créer un lien intrinsèque dès le départ. Malheureusement, la figure d'attachement, c'est pas vous quand votre chien naît. Quand il va naître, quand il va avoir ses sens qui vont se développer, quand son nez va lui permettre de reconnaître des odeurs, quand ses yeux vont lui permettre de reconnaître des formes, des mouvements, c'est sûr que c'est pas vous qui serez là à ce moment-là. Normalement, c'est sa maman, c'est sa fratrie, c'est l'éleveur, si c'est un éleveur que, que vous avez Donc, les premiers pas de votre chien, quand il est bébé, il ne les fait pas avec vous. Ce qui fait que cette figure d'attachement ne se fait pas automatiquement avec vous, comme elle a été étudiée par John Bobley, justement, euh, dans le secteur ben, des humains. On est un animal, mais on est un être humain. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on ben, qu la crée, cette maudite, euh, cette, cette, cette maudite, euh, ce maudit lien. Il faut qu'on crée cette confiance. Et cette confiance, elle se crée vraiment au gré du temps, de la manière avec laquelle vous allez pouvoir, justement, évoquer à votre chien. Ben, des moyens de lui faire comprendre que ben, en vous il peut avoir confiance. On va commencer par une histoire. Peut-être que certains vont déjà avoir un recul. Brrr, une araignée, Brrr, elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment pas belle. En même temps, les araignées, ben, c'est des petits êtres tout mignons aussi. Hein. On peut, ne on peut, peut pas les enlever. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Hein. C'est une petite anecdote qui m'est arrivée. Un jour, j'étais avec des clients. On s'est retrouvés en finale à euh, faire un petit cours en extérieur. Puis on s'est retrouvé autour de leur foyer. Extérieure, on était en train de jaser sur leur chien, puis d'un seul coup, la madame a vu une araignée. Euh, là, elle a fait ai, 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 je ne suis plus capable. Bon, là, elle m'a dit, il faut la tuer, il faut la tuer, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Moi, là, je suis de ceux qui ne tuent pas d'animaux, même pas une araignée. Ben non. Et, vous pourrez demander à mon chum, là, on est en train actuellement de faire en sorte euh, de... Euh, on voit très bien sur cette photo que tes chiens sont pleinement en confiance avec toi. Ma... Ouais, merci, Geneviève. Hey, Geneviève, d'ailleurs, j'en profite. Geneviève Martel qui vient de me faire ce petit commentaire-là. Je vais l'afficher parce qu'on peut afficher des commentaires. C'est extraordinaire. Hein, ça, on peut... Geneviève, merci à toi parce que le crédit photo de la majorité des photos que vous allez voir. il bon, y en a certaines que j'ai été les récupérer de manière anecdotique. J'aurais été en Mais certaines des photos où vous, avez, où vous allez voir ma face, que j'aime pas voir moi-même, mais elle est là, ou la face de mes chiens, c'est grâce à Geneviève que je laisse. C'est elle qui m'a fait ce shooting. C'est elle qui m'a récupéré et qui m'a capté justement cette émotion entre mon chien et moi. Fait que merci mille fois, Geneviève, euh, d'y avoir participé. Je reviens sur mon histoire d'araignée, par exemple. On se retrouve donc autour du feu. On parle des chiens. La madame, elle voit une araignée. Oh ah, mon dieu, non, ne me tue pas cette araignée, tue-moi cette araignée. Je ne suis pas capable de voir une araignée. Bon, ben, comme je vous dis, moi-même, je ne suis pas capable de tuer un animal. Et mon chum vous le dira on a actuellement une petite souris qui tourne à la maison. Ben, on essaye de la capturer sans la tuer. Hein, parce que moi, ce que je veux, c'est la récupérer, la prendre dans mes petites mains, puis l'envoyer dans un endroit où éventuellement elle va pouvoir avoir une belle vie. Euh, mais sans qu'on ait besoin de la tuer. Ben oui, moi, je suis de même. Fait que l'araignée, quand je l'ai vue, je dis ben, Voyons donc, tu as peur d'une araignée Ok, ok, ok. okay bon, tu as peur d'une araignée. J'ai pris l'araignée, je lui ai dit, Écoute, je vais pas la tuer, l'araignée. Mais moi, je n'en ai pas peur de l'araignée. Tu comprends Moi, je n'en ai pas peur. Moi, je j'ai aucun problème avec ça. Je vais la prendre, l'araignée. Je vais la prendre avec moi, puis je vais l'envoyer suffisamment loin pour que tu n'aies plus besoin d'avoir peur de l'araignée. OK Fais-moi confiance. Hey, » Donc, je prends l'araignée, je quitte le feu, je l'envoie à l'autre bout du terrain. Genre, ça va prendre peut-être six mois, l'araignée, de regravir l'ensemble des, euh, des, 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 des hautes herbes pour pouvoir revenir au foyer. C'est sûr que ce qui s'est passé, c'est que ma cliente, elle s'est dit, ah, oh, ça va mieux. Là, je, je me sens plus à l'aise. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on avait tout simplement éloigné ce qui était en train de stresser ma cliente. Mais ce qu'elle s'est rendu compte également, c'est que finalement, moi, j'ai pas peur d'araignées. Puis en plus, vu que maintenant, je sais qu'elle a peur des araignées. Je sais que s'il y a un moment donné, on se retrouve dans une situation où il va y avoir encore une araignée. Ben, je n'aurais plus besoin de la faire se confronter en disant « Mais voyons donc, as-tu peur des araignées ?»« Non, je le sais maintenant. Je le sais que tu as peur de l'araignée. » Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais agir en conséquence. Je vais la prendre l'araignée, puis je vais aller la garrocher un peu plus loin. Je ne vais pas la tuer, mais je vais aller la garrocher un peu plus loin. À partir de là, ma Lolote, tu n'as plus à avoir peur de l'araignée. En tout cas, tant que je suis là, parce que tu sais que maintenant, je sais que tu as peur de l'araignée. Puis tu sais que je suis capable d'agir en conséquence. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr que ce qui s'est passé avec ma cliente, c'est qu'elle s'est dit, OK, bon, bah, effectivement, si plus tard je me retrouve à avoir, euh, à croiser une araignée, je peux lui faire confiance. Il va gérer. Il sait que j'en ai peur, puis il sait comment agir. Résultat des courses, il y a nettement moins de stress à partir du moment où on va potentiellement croiser une araignée. Ça ne s'est jamais reproduit. Hein. Je ne peux pas vous confirmer que cette théorie marche pour vrai. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle s'est vraiment, vraiment déstressée quand euh, elle s'est rendue compte que, ben, que j'étais capable de gérer la situation. Parce qu'il faut qu'on soit capable de gérer la situation. Salut Mona, allô Christophe, nous sommes quatre avec Polo à t'écouter. Ah, hey, salut, salut, salut à Polo. Donc cette histoire d'araignée, ça va peut-être vous évoquer déjà quelques petites, euh, quelques éléments. Quelques, quelques... Oui, et Johan, ben oui, bien sûr, coucou Johan et coucou Polo. Fait que, euh, effectivement. Cette première partie va vous permettre, dans cette petite histoire, de comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir. Mais ça, ça nous suscite quoi finalement hein, Quand on parle de ça, là, quand on voit une maudite araignée, là, que pour la plupart, parce qu'elle a été identifiée à, à une bibite qui peut potentiellement être dangereuse, ben ça vient nous chercher par rapport à nos peurs. C'est ça que ça vient nous chercher. Mais oui, on parle souvent de j'ai-tu confiance en moi OK. Quand on a confiance en moi, ça veut, en, en, en soi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas peur de grand-chose. En final, on est capable d'affronter. On, on est sûr de soi, on est assuré de soi. Donc c'est sûr que ça vient encore nous chercher sur cette maudite émotion majeure qui est là pour justement nous allumer en permanence nos petites lights rouges là, notre red light. Oh, oh, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est cette maudite peur, cette peur qui nous met toujours en instinct de d'hyper-vigilance, d'hyper-réactivité dans certains cas, et qui va faire qu'on se retrouve face, coucou Manon, Zara va faire la sieste, ok, tu lui feras des gros colus de ma part. Fait qu'à partir de là, c'est sûr qu'une fois de plus, on a une émotion ultra-importante et fondatrice de l'ensemble de nos comportements qui est liée à la peur, qui vient nous chercher et qui fait que quand on a confiance en quelqu'un, ce qu'on veut, c'est justement être capable d'affronter ses craintes, ses doutes. D'ailleurs, si je regarde un petit peu ce que nous dit le dictionnaire, parce que regardez, on a un petit chien intelligent qui, lui, est allé chercher la définition dans le petit Larousse. Lui, il a dit que la confiance, si on devait définir la confiance, c'est une espérance ferme. C'est une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire que cette personne est assurée qu'avec cette autre personne ou cette chose, il n'a aucun doute à avoir. Il est assuré que ça va se passer comme ça doit se passer. Il a confiance envers ce qui va se passer. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça vient créer un climat de confiance. C'est avoir foi. Susciter un sentiment de sécurité. Regardez, ça nous ramène un petit peu sur notre théorie de Bob Lee, euh, John Bob Lee, qui nous a parlé de la figure d'attachement. La figure d'attachement, l'une des, des premières fonctions, parce que la figure d'attachement est un besoin vital. Ça coupe tout le temps, que dit Bruno. Ok, ça coupe tout le temps. Ok. Euh... Ça coupe-tu vraiment tout le temps Vous avez un vrai problème à écouter actuellement le, le son Alors, attendez. Et vous savez ce que je vais faire Je vais faire de quoi J'avais pré prévu de sortir mon joli micro pour pouvoir faire de quoi, mais on va peut-être s'adapter. C'est ça. Hein. Depuis que mon chien s'est fait mort, pas ici, pas ici. Ah, ok, pas ici, pas ici. Ok, bon, bah, je vais garder ça pour l'instant, mais si à un moment donné, c'est vraiment pas pas, pas, pas pas correct pour vous, dites-le moi. Je veux vraiment que tout le monde vive l'expérience correctement. Tout va bien ici, ok, super. Bon. Avoir foi susciter un sentiment de sécurité comme je vous dis ça nous ramène à notre théorie de Bobly c'est très bon merci Rachel fait que le sentiment de sécurité c'est ça c'est le fait que on a une figure d'attachement la, fi la familiarité liée à notre euh, notre connaissance de notre monde imaginez j'aimerais tellement vous aimeriez pas vous euh, pouvoir vous rappeler de comment vous avez réagi le jour où vous avez ouvert les yeux puis que vous, vous aimeriez pas savoir comment ça s'était passé si, si on avait la, le pouvoir d'avoir ce, cette capacité de mémoire évidente de, oui, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, tout de suite, je me suis dit, aïe, ah, c'est eux autres, là, alléluia, c'est eux, là, c'est eux ma référence, c'est eux ma référence pour la vie. Quand je les verrai, eux, là, je me sentirai tout le temps en sécurité. C'est la première chose ou la première personne que je vois en ouvrant les yeux euh, dans ce magnifique voyage qu'est la vie qu'on nous offre. Ben C'est ça, ce sentiment de sécurité lié à la première personne, c'est cette fameuse figure d'attachement. Mais comme je vous dis, malheureusement, nos chiens, ils ne vont pas l'avoir avec nous. Là. On n'est pas la première personne qu'on va voir, qui vont voir. Eux vont passer vraiment par différents stades et ils vont faire des figures d'attachement. Au moins, on a une chance. Notre chien est bien plus résilient que nous, il est bien plus capable de s'adapter aux situations que nous par rapport au changement de vie qu'il peut avoir. Personne de confiance, c'est une personne à qui l'on se fie. On se fie. Hein. Se fier à quelqu'un, c'est ma référence. Okay une fois de plus, on repart sur notre figure d'attachement. Donc on veut s'en créer une finalement. Si c'est pas une figure d'attachement naturelle, il va falloir qu'on se la crée. Poste de confiance qui exige une personne sûre. Vous voyez, je reprends vraiment les, les donc une personne sûre, une personne en qui on peut avoir confiance, une personne qui nous qui, qui fait qu'on ne va pas avoir peur d'avoir recruté la mauvaise personne, ça revient encore à nous chercher sur ah mon dieu, et si on s'était trompé de personne qu'on voulait recruter. Non non, c'est un poste de confiance, ça nous prend quelqu'un de sûr, ça nous prend quelqu'un qui est en contrôle, ça nous prend quelqu'un qui va assurer l'ensemble des responsabilités. C'est une personne dont on peut se fier. On n'a pas à avoir peur qu'elle nous laisse en plan ou pas avoir peur qu'elle ne soit pas capable euh, de gérer la situation. Et effectivement, la confiance, c'est ne pas avoir de doute, ne pas avoir de méfiance, être capable de pouvoir s'ouvrir à la personne de manière totalement confiante, sans aucune réserve particulière, sans doute, sans méfiance. Ça, c'est ce que nous dit le petit Robert. Ben, petit Robert, mais qui est quand même gros, hein. des pages à chaque année qui se, qui se. Mais vous, là, je vous avais envoyé un petit questionnaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais fait un petit peu partout, je vous avais envoyé un petit questionnaire, Chez, Ben vous, vous m'avez répondu aussi. Et qu'est-ce que vous m'avez dit Quand je vous ai demandé, vous, là, qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en quelqu'un Qu'est-ce qui fait que vous vous laissez aller à, 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 à un niveau de confiance envers quelqu'un Premier mot, respect. Respect de plusieurs choses. Respect, respect de ce qu'on dit, les bottines suivent les babines, le fait que. Euh, on ne me presse pas le fait que ben, on respecte la personne que je suis. À partir du moment où on me respecte, à partir du moment où il y a un vrai niveau de respect, là, je considère que je peux faire confiance envers la personne. Si la personne ne me respecte pas, oublie ça là. Qu'elle me demande ce qu'elle veut là. Si elle me traite comme comme excusez-moi l'expression, mais comme de la marde, mais que elle veut que je fasse de quoi pour elle, oublie le projet. Respecte-moi puis c'était un une première étape une première étape. on dirait Zara. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison Manon, on dirait Zara effectivement. Deuxième point que vous nous avez évoqué la bienveillance, bienveillance, veiller de manière bien, de manière bonne, de manière avec un bien fondé de la bienveillance effectivement, avoir ce côté qui vise à dire ben je lui veux pas de mal, je lui veux que du bien. Malheureusement, je vais passer par des étapes où parfois je vais le checker, mais c'est dans, un, dans une dynamique bienveillance. Je vais le lui dire hm, fais pas ça, toi, mon Dieu. Hein, vous savez, quand on explique des règles à des enfants pour leur dire fais pas ci, fais pas ça, quand on le fait avec son chien, pareil, fais pas ci. Fais... Oui, ça nous, a, ça nous amène quelque part, mais c'est toujours dans un regard bienveillant, bienveillant, parce qu'on veut s'assurer que le chien puisse évoluer de manière euh, harmonieuse dans son environnement. Donc, il y a toujours une bienveillance derrière. Par exemple, la bulle du chien, absolument, Émilie, c'est un très bon point. Respect de la bulle du chien, bah, tu vois, en plus, hein, on a choisi des bulles pour le faire. Oui, le respect de la bulle du chien, c'est sûr que si le chien, à un moment donné, il vous exprime, et ça, ça nous ramène à une autre conférence sur le langage verbal, sur le langage des chiens, s'il si exprime, à un moment donné, un, un niveau d'inconfort avec vous, des lichements, des tournements de tête, bref, qui se retrouve à avoir un comportement. Je vais me mettre un petit peu en mode euh, pour que vous puissiez me voir, parce que parfois, je, 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 je m'excite à... Non, je, comme ça, on n'en voit pas assez. Parfois, je m'excite à faire des, euh, <laughs> des, des affaires, mais je, je constate que vous me voyez en tout petit. Fait qu'effectivement, à partir du moment où euh, le chien se retrouve à exprimer eh, laisse-moi là, laisse-moi ma bulle, laisse je ne suis pas à l'aise, tu comprends Je n'ai pas le goût de t'avoir dans mon environnement. C'est sûr que si on est Mais viens, mon petit loup, mais non, petit gars, on, on va jouer ensemble. Non, non, je n'ai pas envie de toi là présentement, tu comprends Moi là, quand tu n'as pas envie que je vienne sur ton divan, tu es capable de me crisser à terre. Fait qu'à un moment donné, là, moi, je ne veux, veux pas que tu viennes me voir. Laisse-moi tranquille. Parce que sinon, je vais m'énerver. Puis je vais m'énerver. Puis si je m'énerve de trop, à un moment donné, tu vas, tu vas m'écraser par terre. Alors oui, quand il exprime qu'on rentre trop près de sa bulle, puis qu'il faut qu'il garde sa distance, il faut être capable de le respecter. Si on n'est pas capable d'écouter ça, ça veut dire que le chien on vient de lui lancer un signal qu'on ben, ne comprend pas ce que tu nous dis, mon grand. Fait qu'avec nous, là, ben, tu vas gérer comme tu veux. Grossis ton écran SVP. OK, je vais grossir mon écran. Vion. Bon, je repars en petit. Voilà, Mona. Est-ce que c'est est correct? Tu le vois mieux de même. C'est plus facile, hein, j'imagine. Oui, tu as raison. OK, on va le mettre en, 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 fond, en, en full écran comme ça. En même temps, ma face elle n'a vraiment pas d'importance. Euh, autre point que vous nous avez ramené, vous nous avez parlé d'ouverture. Ben oui, parce qu'il faut être ouvert. Pourquoi ouvert ben, Je trouve que c'est un très beau mot, ça, parce que ça veut dire être ouvert également à, au fait que, ben. Le chien ne va pas raisonner de la même manière que nous, ne va pas fonctionner de la même manière que nous. Et puis si à un moment donné, on veut créer de la confiance avec lui, il va pas falloir qu'on l'amène toujours dans notre monde. Ah, agrossi de toi. Ah, ok. <laughs> bon. Voilà, on va le faire de même en attendant. Que <laughs> okay, c'est bon. Kira et moi, ça m'a l'écoute avec intérêt. Hey, salut, Denise, avec grand plaisir. C'est que l'idée, effectivement, de l'ouverture, c'est de démontrer au chien qu'il va être capable de pouvoir se faire comprendre et que nous, on va être capable d'être ouvert à, OK, ça, tu pas à l'aise, pour moi, je ne vois pas où est-ce qu'il y a un problème, mais pour toi, tu n'es pas à l'aise, OK, je le comprends. Dans ma façon de voir les choses, moi, ça marche pas. Mais dans ta façon de voir les choses, a priori, ça suscite une inquiétude. OK, go, je m'ouvre, j'enlève mes œillères du mat. J'arrête de faire de l'anthropomorphisme, même si vous allez voir qu'on va en faire un petit peu tantôt là, pour vous aider à, 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 à aller dans, dans le mode de réflexion, un petit peu comme euh, Alexandra Horowitz euh, dans La tête de mon chien. Je vais vous ouvrir des œillères pour pouvoir arriver à, un petit peu à voir, OK, à ah, toi, tu ne vois pas ça de la même manière que nous, Béta ben Bernouche. OK, donc cette ouverture est bien sûr nécessaire. Les bottines suissent les babines. Hein On va parler d'engagement à ce moment-là. On va parler, ben oui, ben là, si tu me dis que j'ai le droit à seul, puis que tu me fais faire plein d'affaires, puis que je fais tout ce que tu me dis, mais que tu ne me le donnes pas. Peut-être qu'une fois, je vais te le pardonner. Peut-être deux. Malheureusement, les chiens, c'est qu'ils pardonnent trop, trop, trop souvent. Peut-être trois. Mais possiblement qu'à la quatrième, je vais commencer à avoir un... <laughs> je commence à avoir un petit problème là. Là, euh... écoute, normalement, quand je fais ça, je suis supposé avoir ça. Hmm, ça ne marche pas ton affaire. Fait qu'à partir du moment où on se retrouve à avoir d'un engagement qui n'est pas respecté, c'est sûr qu'on va se retrouver potentiellement avec un chien qui va dire eh « hé là là, c'est pas correct ce que tu es en train de faire ». Donc, quand on décide de mettre en place des processus avec son chien, c'est important que l'engagement lié à ce processus aille jusqu'au bout et que le chien puisse avoir accès justement à ce qu'il est à voir. J'ai Émilie qui m'envoie un petit message. Alors, je vais peut-être pas... Est-ce que tu peux -tu le tout l'afficher Oh mon dieu, ça fait un gros affichage. J'ai un rescue à la SPCA, il a quatre jours, qui malheureusement a mordu un enfant au visage, justement parce qu'elle n'a pas respecté sa bulle. Grâce à mon intervention, nous avons évité l'euthanasie, car avec mes enfants, euh, à moi, ça a, été, ça a super bien été. Donc, j'ai eu des points positifs à dire à l'évaluateur canin de la ville. Nous allons lui trouver une famille parfaite pour son chat. Eh, tellement, merci Emilie. Merci, merci infiniment. Ça, ça m'arrive. Bonjour Gabriel. Ça, ça m'arrive tellement souvent qu'on mobilise aussi pour faire l'évaluation des chiens par rapport à leur niveau d'agressivité et qu'effectivement, ça nous ramène à l'agressivité. C'est le chien qui était ma précédente conférence que je vous invite à aller voir sur la page Facebook également si vous souhaitez la voir. Euh, mais oui, oui, on, oui, oui, c'est ça qui se passe très souvent malheureusement. C'est que dans la majorité des cas, le chien à partir du moment où il n'a pas été dressé pour attaquer un enfant, à partir du moment où il n'a pas été éduqué pour, pour potentiellement attaquer un être, peu importe lequel, c'est-à-dire qui est amené à envoyer un stimuli, un petit cri ou quelque chose qui va le déclencher, un chien équilibré qui a été socialisé dans un environnement où potentiellement il y a des enfants aussi, normalement il n'a pas à avoir un comportement agressif, sauf si à un moment donné, lui se sent tellement menacé, se sent tellement en danger, parce que justement on est rentré dans sa bulle. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il peut être amené à déclencher, puis avoir des comportements qui, malheureusement, dans notre monde, vont le sanctionner et parfois même aller jusqu'à l'euthanasie. Fait que merci mille fois, Émilie, merci d'avoir pris le temps d'intervenir et merci mille fois d'avoir fait comprendre que ce chien-là, potentiellement, en fonction du respect qu'on pouvait avoir, pouvait avoir des comportements vraiment différents et surtout non agressifs. Merci mille fois de ton témoignage. Ça fait du bien. <laughs> c'est un chien qui est arrivé du Maroc par avion il y a deux semaines. Hein, tout dans... hey, mon Dieu, bah c'est sûr, là imagine tu un chien qui vient du Maroc, qui a pris l'avion, qui débarque ici, qui... Hey, hein, on s'entend que des facteurs, nous-mêmes, hein, quand on vit des situations parfois un peu moins... Puis le chien, il ne sait pas là, ce qui est en train de se passer dans sa vie. Hein. Nous, on vit des choses par moments et on le sait ce qui se passe. Lui, il ne le sait pas. Fait que Mo dit que... Et <laughs> que, hey, ma cocotte vient du même refuge. OK, bah encore merci mille fois pour, euh, bah, pour, pour avoir fait euh, cet acte de, de, de bienveillance, d'engagement, d'ouverture et de respect du chien. Ça, c'est un chien qui pourrait définitivement avoir confiance en toi. Moi aussi, j'attire un chien du Maroc la semaine prochaine. « Hey Roxane, tout cœur avec toi. Un beau moment que tu vas vivre. » Et oui, il va probablement être dans une situation d'anxiété. Il va avoir donc besoin d'avoir un lien de confiance. Euh, respecter le, le fait qu'il ne soit peut-être pas totalement open tout de suite, qu'il ne sache pas faire du assis-coucher, rester tout comme tous les chiens. C'est possible qu'il ait besoin d'un moment d'adaptation, ça aussi il va falloir le respecter. Mais euh, euh, je suis content pour toi, tu vas, avoir, euh, tu vas vivre une belle aventure. Ah, et vous m'avez rajouté d'autres affaires encore, hein. vous m'avez dit oui, bah, il y a aussi dans notre attitude, hein, dans notre gentillesse, notre transparence. C'est très lié à l'attitude aussi, hein, parce que euh, pas, vous allez voir, hein, en fonction de comment on se comporte, ça va nous permettre de lancer des signaux aux chiens. En es-tu en contrôle de la situation, mon grand, ou, ou pas euh, Toi, là, mon toutou, c'est-tu toi qui vas devoir gérer la situation ou est-ce que tu sens que je suis capable de la gérer, moi, la situation Hein? pas facile hein? et ça ça va être important et ça va être effectivement déterminant la prévisibilité alors ça c'est super intéressant la prévisibilité c'est très très intéressant ce qui est dit pour créer la confiance pourquoi ben parce que quand quelque chose est prévisible on en a moins peur ok et vu qu'on en a moins peur on se sent plus assuré reprenez repensez un peu à votre premier jour que vous avez commencé au travail dans un nouvel emploi une nouvelle entreprise ok vous ne saviez absolument pas comment allait se passer la journée imaginez le petit stress que vous aviez l'adrénaline, dans le piton, oh mon dieu comment ça va se passer avec qui je vais travailler, oh, tu penses qu'ils vont m'accepter oh mon dieu Ah oh. oh, mais pourtant je viens de là-bas là, tu, sais oh, tu penses que tout le monde va être gentil avec moi oh. ah le stress le stress bon. bah, effectivement vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer à ce moment là c'est votre premier jour deuxième jour vous allez commencer à avoir quelques signaux pour vous dire ah bah ok là c'est ça qui se passe ok, bon. okay lui il hmm, bah, va falloir que je me méfie là. ok où elle a... ok, c'est bon. On commence un petit peu à prendre ses repères. Donc, on commence à s'attacher un petit peu et on commence à avoir un peu plus de prévisibilité sur ce qui va s'en venir. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, le temps faisant les choses, et ça, c'est notre meilleur ami, le temps, pour aussi gagner de la confiance. Malheureusement, on ne lui redonne plus du temps. Hein. Mais non, et... regardez, j'ai commandé de quoi chez Amazon, 48 heures après, je t'ai livré. Euh, L'article que j'ai acheté, il était comme à l'autre bout de la planète. En 48 heures, il était chez nous. Comment ça se fait que mon chien, quand je lui demande de s'asseoir, pour la première fois de sa vie, il le fait pas tout de suite. Bon. Donc le temps, il va falloir en laisser et la prévisibilité va se gagner justement avec le temps parce que vous allez prendre l'habitude tranquillement pas vite de pouvoir lui expliquer un peu comment les choses vont se faire et on va créer des mécanismes. Donc l'intérêt de la prévisibilité, c'est de structurer cette prévisibilité. C'est sûr, il faut qu'on la structure parce qu'à partir du moment où on prévoit ce qui va se passer, on se sent moins anxieux. Et on se sent plus en confiance également. Je pense notamment à un exemple pour euh, les gens qui connaissent le Wolf Park qui m'avait été compté. Le Wolf Park, quand vous rentrez dans le Wolf Park là, pour aller voir les loups, là, vous ne rentrez pas comme ça, drette dans leur grand enclos. Là. Vous passez par des étapes bien claires pour qu'au moins, si nous sommes tous des personnes différentes qui rentrons dans cet enclos-là, au moins la manière avec laquelle on rentre soit toujours faite de la même manière. Le loup, voyant un processus se mettre en place, Va se sentir plus en confiance parce qu'il voit comment ça va se passer, il connaît les étapes, il prévoit les étapes, il sait comment euh, l'humain va se comporter de telle ou telle manière avant d'entrer dans l'enclos euh, général, ce qui fait que le loup va se sentir moins en danger, plus en confiance et donc va accepter bien plus facilement l'introduction d'étrangers dans son environnement. La gentillesse, naturellement, mais ça c'est intrinsèque, c'est hein, euh, comment il s'appelle euh, ceux qui jouaient dans, S, dans, dans, dans Ghostbusters, euh, Murray, Bill Murray, qui disait euh, :« Moi là, je me méfie des gens qui n'aiment pas les chiens, mais je fais toujours confiance à un chien qui n'aime pas les gens. » C'est que ça, c'est important toujours de se dire la gentillesse, c'est quelque chose qui transpire, et ça, effectivement, c'est le chien va le sentir. Il va le sentir. Vous verrez que ça nous ramène également à notre notion d'attitude. Je vous fais un petit rappel quand même, mais ça, vous allez me dire, mais oui, mais on le sait déjà. Mais c'est toujours important de le rappeler parce que ça nous rappelle un peu le fondement de pourquoi la confiance avec notre chien est difficile, si difficile que ça à gagner. Premièrement, nous sommes tous les deux des espèces sociales. Ben oui, on est des espèces sociales. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'organise, on est structuré, on a besoin d'avoir une structure. Ben oui, et eh oui, oui. Mettez les chiens ensemble, ils vont se structurer. Il va y avoir quelqu'un qui va gérer la gang. Il va y en avoir un qui va être un petit peu plus en support. Il y a de... Puis ça peut changer en fonction de l'évolution. Hein, moi, j'ai eu une pension pendant près de trois ans, accueilli plus de 300 chiens à la maison. Ben, je peux vous dire que quand j'introduisais un nouveau chien là, du jour au lendemain, eh ben, les choses changeaient. Hein, ça, ça bougeait en permanence. Donc, il y avait toujours, mais il y avait une structure qui se mettait en place. Nous-mêmes, hein, on est organisé. En on... aller dans une entreprise, la première chose que vous demandez, donc quand vous rentrez dans l'entreprise, c'est :« Je peux-tu avoir accès à l'organigramme Je veux savoir c'est qui mon boss, c'est qui mes collègues, à qui je dois dire s'il vous plaît, puis à qui je peux dire je t'en marde. » Fait que... <laughs> non, je plaisante. C'est pas vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin hein, de passer par cette structure-là pour mieux comprendre qui fait quoi ici. C'est qui qui a quoi comme rôle euh, dans notre environnement. Puis ça, c'est important. Mais malheureusement, on est deux espèces différentes. Ben, tabarnache. On travaille donc dans de l'interspécifique, là. Interspécifique entre deux espèces. On fait même pas partie de la même gang. Voilà où est le problème. Il est là, notre problème. C'est qu'on n'est pas les mêmes espèces. Donc, nécessairement, on a plein de choses différentes. Donc, notre défi à nous, ça va être de comprendre nos codes, nos façons de communiquer. Et comment vous pouvez avoir confiance envers quelqu'un que vous ne comprenez pas et qui ne vous comprend pas Comment voulez-vous créer un lien Oui, il peut y avoir. Oui, merci Emilie. Nous, on suit la règle des 3-3-3. Effectivement, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça varie en fonction. C'est un très bon point là sur le, lorsque vous adoptez des, des nouveaux chiens qui s'en viennent chez vous. Le 3, 3, 3, 3, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, c'est effectivement trois étapes pendant lesquelles les chiens vont passer, puis vont, 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 vont évaluer un peu leur environnement. Le troisième mois, en général, il est conscient que là, OK, bon, c'est là que je suis supposé poser mes valises. Okay là, normalement, je ne me fais plus baroueter ailleurs. C'est là, c'est là, là que ça se passe. Les trois premiers jours, on s'entend qu'il n'est pas dans cet, esprit, dans, dans cet état d'esprit-là, surtout s'il a pris l'avion, qu'il est venu du Maroc, puis qu'il a vécu plein d'expériences de, plein, plein avant. Trois semaines, il commence à se dire, OK, c'est qui qui fait quoi ici Ok, Toi, c'est toi, okay. toi, toi qui gueule fort. Toi, c'est toi qui n'arrêtes pas de y aller. Non, je, je, je niaise. Hein. Mais effectivement, il va y avoir un repère qui va se faire. Puis c'est là que le chien va tranquillement, pas vite, être capable euh, de se positionner en conséquence. Mais oui, la règle du 3-3-3, euh, c'est une manière de, 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 de passer par des étapes pour que le chien se dise OK, là, c'est bon, là, je suis chez nous. Là, je pense que je pose des valises. Hein. Je pense que là, je ne rebouge plus. C'est correct. Hein. Bon, ben voilà. Donc, lui, c'est toujours lui qui gueule. Elle, c'est toujours elle qui chiale. Donc, je vais vivre avec ce monde-là. Euh, merci de cette précision, Émilie. C'est un très bon point parce qu'effectivement, c'est des étapes par lesquelles il passe. Donc, revenons sur nos, notre code de communication. Comme je vous dis, notre problématique qui se passe euh, par rapport à la communication, bah, c'est que c'est la base de la relation en finale. Que ce soit de la communication verbale, vous comprenez ce que je vous dis que ce soit de la communication non verbale, que vous êtes capable de comprendre aussi ce que je vous dis en fonction des codes. Euh, C'est important d'avoir au moins une manière de comprendre et de se faire comprendre pour bâtir un lien de confiance. Alors, oui, on peut toujours regarder dans les yeux de son chien et se dire Minute. Je vous regarde. Est-ce que là, vous sentez dans mon regard que vous pouvez avoir confiance en moi bon. Pas toujours, hein pas vraiment. <laughs> C'est pour ça que ça va être important, effectivement, que l'on soit capable de pouvoir créer des codes pour s'assurer que le chien nous comprenne et pour s'assurer que nous soyons capables de comprendre le chien aussi. Parce que moi, là, ma madame, avec son araignée, là... Si elle m'avait pas exprimé qu'elle en avait peur de son araignée, puis qu'elle ne l'avait pas nommé, je l'aurais vu en train de se mettre en mode panique. Puis je lui aurais dit, bah voyons, non, c'est quoi qui lui prend à elle C'est quoi, quoi qui se passe Là, elle a pu me le nommer. Bah, c'est parce que j'ai peur de l'araignée. Ah, tu as peur de l'araignée. OK, Je l'apprends. Ça nous a permis de bâtir plus rapidement la situation de confi la, 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 le lien de confiance que si elle, je l'avais vu en mode panique. Puis je lui avais dit, ben bah voyons, non, t'es folle ou quoi Elle calme-toi, là. Waouh, elle redescend, là. Mais, elle, mais reste sur ta chaise. C'est quoi ton problème bah, Mais elle est complètement débile. C'est quoi son affaire c'est sûr que là on aurait pu probablement avoir une espèce de, 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 de relation burlesque là qui aurait pu partir vers du mélodrame en disant ben bah il comprend pas et puis là il a même pas essayé de ouais, c'est ça hein fait que le fait qu'elle puisse me parler et m'expliquer quel était son problème c'est sûr que ça m'a aidé donc c'est important que nos deux espèces soient capables de se comprendre minimalement pour être capables de créer le lien de confiance si on n'est pas capable de se comprendre mais on s'entend que le chien va commencer à comprendre un peu nos façons de fonctionner parce qu'il va nous observer à la journée longue. Lui, il est bien plus observateur que nous de tout ce qu'on fait, que nous, on est observateur de lui. Mais nous, on a une money job aussi à comprendre comment notre chien réagit. Question est-ce que vous êtes capable d'identifier quand votre chien est en stress Est-ce que vous êtes capable d'avoir des signaux faibles qui vous permettent d'identifier là, mon chien, il n'est pas correct, il est en stress Est-ce que vous êtes capable d'identifier Est-ce qu'ensuite, une fois que vous avez compris que votre chien était en stress, est-ce que vous êtes capable d'identifier assez rapidement quel est la source de stress précisément pour être capable d'intervenir dessus Ben non, c'est pas évident, sauf quand on prend le temps de l'observer. Donc c'est comme ça qu'on va bâtir nos codes ensemble, parce que eux autres, ils vont marcher à tâtons, mais nous aussi pas mal. On a quand même des pistes, et puis ça, on pourrait revenir sur ma, ma conférence sur le langage euh, canin de, de, dessus. Deuxième point, ça va nous apprendre aussi à établir des règles claires. Oui, pourquoi Ben. Pour les deux espèces, hein. quand on est en famille, là j'interviens très souvent en famille, comme vous avez pu le voir dans le petit vidéo de départ. C'est important, c'est ultra important que vous ayez des règles claires. Ça reprend l'histoire de mon wolf park, ça reprend l'histoire de choses de séquences claires qui permettent à nos loups de savoir qui va se passer exactement ça. Alors, Sarah me dit Oui, les yeux de baleine, ici stress extrême et va probablement bientôt snapper. Stress moins grand, oreilles euh, et queue tendue. Ouais. Exactement. Ça, ce sont vraiment des modes de langage du chien, des, du langage corporel, qui va nous émettre ce qu'on appelle des signes de stress. On les appelait par le passé des signaux d'apaisement. <laughs> je dis bien par le passé parce que la science nous démontre qu'il faut les appeler d'une autre manière, même si finalement ce signe de stress va avoir pour objectif vraiment d'apaiser la situation en disant je suis en stress là. Eh hey, là, là, soit tu continues à me tanner là, puis là je vais te rentrer dedans, puis tu risques de ne pas être content, soit tu me fais redescendre impression, parce que là je suis tellement stressé que ça va pas le faire donc on veut bien sûr apaiser la situation, c'est pour ça qu'à l'époque on appelait ça des, des signaux d'apaisement mais maintenant on va les appeler davantage signes de stress, pourquoi bah, parce que effectivement c'est quelque chose de relativement assez inconscient, parce que le chien quand il va se mettre à avoir de la pylorectilité, vous savez quand euh, le poil se dresse dans le, dans le dos, ça peut montrer effectivement un certain niveau d'excitation ce niveau d'excitation peut être une source de stress positive ou négative anyway l'idée c'est que votre chien est quand même en stress. Donc, c'est sûr qu'il faut être capable de lire tous ces signaux-là. Merci, Sarah Maud, de ton partage. Ça nous permet d'avoir de, 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 quand même quelques exemples euh, sur ça. Les signaux d'apaisement, hein, c'est Tourid Rougas qui les avait mis en valeur, qui a donc observé euh, chez les chiens la manière avec laquelle, justement, ils parlaient à leur environnement, à leurs congénères d'abord, puis avec lesquels nous-mêmes, on a appris à se rendre compte que, OK, quand ils disent ça, aux yeux de baleine, ça, vous savez, on voit le blanc de, de l'œil, là. Le, c'est comme si mon, mon petit loulou que vous avez ici, là, vous voyez le blanc ici en dessous de son œil. Là. Vous savez, l'œil en dessous, là. ça, ça peut être effectivement. Euh... Ouf, le poil dressé, on a vu ça pour la première fois euh, à un chat dans la cour. C'est spécial à voir. Oui, Émilie, effectivement, c'est spécial à voir. Donc, les règles claires, c'est important de les avoir parce que ça aussi, ça va aider à créer de la confiance. Pourquoi ben, Parce qu'on va se retrouver effectivement face à des structures qui vont permettre au chien de savoir exactement qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Puis ça, là. C'est tellement libérateur en termes d'anxiété. Moi, là, si vous me dites ce que je peux faire versus ce que je ne peux pas faire, c'est vraiment aidant pour moi. Si vous, me dites, si vous me laissez dans une situation que je ne connais pas, que je ne comprends pas, pas sûr que je vais être super à l'aise là. Et surtout quand j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. Le petit loup qui vient d'arriver il y a trois jours chez vous, puis qui est en train de se faire sa place. Si vous commencez à lui expliquer un peu ce que vous attendez de lui, puis que vous mettez des règles claires, ça va l'aider. Puis il faut lui laisser le temps une fois de plus. Le temps de les assimiler, parce que lui, il ne comprend pas notre langage. Ce n'est pas parce que vous avez dit à votre chien. Bon, là, maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on descend de les marches, tu restes, tu t'assois, puis tu attends que je sois arrivé en bas, puis quand je suis arrivé en bas, tu me rejoins. C'est clair C'est clair, loulou Bon, je descends les marches, j'essaye. Okay? Bon. Et il descend. Il descend. Il n'est pas resté. Oh, le con. Demi-tour. Qu'est-ce qu que tu as dit d'abord Tu restes. C'est quand même clair Tu restes. On va lui laisser le temps, quand même, d'assimiler son. son, son, son ces règles-là pour être capable, justement, après de pouvoir les faire évaluer, les faire évaluer, les faire respecter. On veut définir des relations sociales, considérant la réalité de nos deux codes et nos deux espèces aussi. C'est important parce que, oui, on anthropomorphise beaucoup. Puis vous allez voir que je l'utilise beaucoup aussi pour vous aider à mieux capter certaines, euh, certaines façons de, de, de fonctionner. Mais ça nous prend d'avoir des relations sociales. Vous verrez que ça va être important d'établir une façon organisée. Le chien, là, il a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui gère la situation dans la maison. Parce que s'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui gère la situation, il va la gérer lui. Avec ses règles à lui. Puis probablement que vous n'allez pas être ben ben d'accord avec la manière avec laquelle il réalise. Non, mais là, mon chien, là, il n'arrête pas de japper dès qu'il y a quelqu'un qui passe. Ben oui, c'est parce qu'il a le sentiment que la maison est à protéger. À un moment donné, fais-toi comprendre que c'est toi qui gères la situation, puis il n'y a pas de problème ne l'encourage pas à le faire, mais fais-lui ressentir par le lien de confiance que vous allez bâtir, fais-lui comprendre que c'est toi qui es capable de gérer la défense de la maison. Il n'a pas besoin de le faire. Il est correct. Parce que si le chien n'a pas ce sentiment de prise en charge, il va le prendre en charge lui. Le chien ne laissera pas ça dans le vide. Là. Il va falloir qu'il le fasse. Donc, il va falloir que dans les relations, il comprenne bien, hé hey, mon grand, rassure-toi, je suis capable de gérer la situation. Et là, on va parler de leadership. On va parler de leadership. Je vais faire un parallèle avec le milieu sauvage. Je sais que c'est pas toujours évident de le faire parce qu'on peut être amené à être. Pas mal remis parfois en, en questionnement par rapport à, aux études qui ont été faites par rapport à des meutes sauvages, parce qu'il y en a certaines qui sont faites vraiment dans le, leur environnement naturel, c'est-à-dire sans aucune, euh, aucune situation de domestication, même infime, et puis d'autres qui sont faites dans des environnements un petit peu plus, euh, on va dire, clôturés, j'aurais tendance à dire, qui fait que ça peut. Ah, Sylvie qui me dit le poil levé peut aussi dire que le chien est stressé, mais de façon positive, ou est-ce toujours négative Non, ça peut être positif aussi à certains moments. C'est une réaction de stress, le stress peut être positif aussi hein, pour nous. Regardez, euh, moi, avant de lancer mon petit euh, décompte, j'étais en stress. Là. Mais positif, j'étais tout excité. Euh, J'ai bu mon petit verre de vin pour pouvoir me détendre, mais c'était du stress positif. Mon chien, Vulcan, un de mes deux chiens, lui, ça lui arrive d'avoir le poil dressé, même pour s'amuser parfois, mais il est tellement énervé que ça va dresser son poil de manière complètement inconsciente. Mais dans la majorité des cas, je vous avoue que ce qui va se passer, c'est que la situation de stress. Qui va être généré, qui va générer cette pilo-érectilité, va être vraiment un stress intense. Et C'est vrai que dans la majorité des cas, le stress intense est provoqué vraiment par des mécanismes de défense. Mais tout dépend de la manière avec laquelle le chien a, euh, va prendre en charge. C'est comme nous là. C'est nous face à une situation x y, euh, on va être capable de, de, de comment dire, de réagir à cette, cette réaction-là de manière complètement différente les uns vis-à-vis -vis des autres. Certains vont rester calmes, d'autres vont rester s'énerver pour la même situation. Donc, on va avoir effectivement des, des niveaux de réaction un peu, un peu différents. Euh, quand on parle de signes de stress, on parle de signes qui sont incontrôlés. Donc, la pilo-érectilité, il ne la contrôle pas. Mais effectivement, euh, un chien qui peut être hyper énervé, genre oh, « je suis en train de jouer, mais je suis en train de monter tellement que je suis limite borderline », peut faire de la pilo-érectilité, mais sans avoir nécessairement euh, d'instinct d'agressivité, euh, enfin sans avoir un enjeu d'agressivité ou d'instinct de, dé... ou, 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 ou de défense. Donc, les règles, les relations sociales, c'est important de les définir, c'est important que le chien sache qui et qui. Comme je vous dis, je vais faire un petit parallèle très rapide avec le milieu sauvage, les loups, là. Quand on étudie les loups, ça, c'est euh, un environnement qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'étudie euh, je, 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 je tranquillement, pas vite, et puis je le lis beaucoup euh, par différents auteurs euh, qui, qui, qui ont vécu euh, ben, toutes ces belles expériences que j'aurais aimé vivre à leur place, que je vivrai peut-être un jour. Mais veux, veux pas. Euh, les loups, il y a un couple qui est un couple alpha okay, qui a cette responsabilité-là. On parle du couple alpha, on parle donc d'un mâle alpha et d'une femelle alpha. C'est qui ben C'est le mâle et la femelle reproductrice. C'est un peu le papa et la maman dans une famille qui vont avoir pour vocation de gérer leur famille après, de gérer leur meute, gérer leur environnement. Donc, ils vont avoir certains privilèges et ils vont avoir certains rôles à jouer. La défense du territoire, c'est le couple alpha qui le gère. C'est n'est pas un petit qui va le faire, c'est l'un des, des, des alphas qui va le faire. Recherche de la nourriture, la chasse, il va y avoir de la collaboration qui va se faire avec des membres, mais il va toujours y avoir une espèce de gestion bienveillante du couple alpha qui va être là pour gérer la situation, pour être là pour expliquer à l'ensemble de, euh, de, de, de la meute Hey, on gère, ok On gère. Je t'ai dit, on gère. Laisse faire, c'est correct. Fais ce que tu as à faire, on gère la situation. Et ça, ça va être important que le chien sente également dans votre attitude, dans votre mode de fonctionnement, que vous gérez la situation. Mais pour ça, il faut qu'il en ait confiance. Il faut qu'il ait confiance en ça. C'est Jo, comment faire pour dire à mon chien que c'est moi qui gère la baraque <laughs> Justement, on va venir dessus, Mona. <laughs> Apprentissage par association, comment il va faire alors, je vois Chantal qui marque, vous devez avoir un éducateur dès que le chien a deux mois si vous ne connaissez rien. Ouais, c'est important, effectivement, Chantal. J'avoue que plus on est, on est capable d'avoir les, les, bonnes, les bonnes bases de départ, mieux c'est. J'avoue, effectivement, c'est un, un excellent point. Euh, deux mois en général, c'est effectivement la période pendant laquelle le chien va se retrouver en mode euh, ben, sevrage. Hein. Les deux premiers mois de sa vie, on sait qu'un chien, on va recommander qu'il soit sevré, en tout cas qu'il soit enlevé à, à, à son environnement d'origine euh, entre huit et dix semaines, pour lui permettre de pouvoir vivre ses dernières expériences, notamment avec sa mère, qui reçoivent les derniers signaux. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Chantal. C'est important qu'une fois qu'il est là, une fois qu'il arrive dans son nouvel environnement il y ait quand même une prise en charge qui soit faite par des gens, parce que je comprends que tout le monde va partir avec des bonnes intentions, puis tout le monde veut adopter avec des bonnes intentions. En tout cas, je l'espère. Ceux qui font partie de ma communauté, je sais que pour la plupart, vous êtes vraiment fondamentalement attachés à ça, mais parfois, on fait quelques erreurs juste par méconnaissance. Non pas parce qu'on veut mal faire, pas en tout, juste parce que, ben, hey, ouais, j'avais pas idée que ce que j'étais en train de faire, ça crée ça. Donc, effectivement, c'est important de déjà avoir les, les bons paradigmes. Pour être capable de, de se positionner dès le départ. C'est important parce qu'il est dans sa période de socialisation primaire, hein. 16 premières semaines, 4 mois. D'ailleurs, l'apprentissage par association, il se fait tout le temps avec le chien. Comment ça se passe, l'apprentissage par association C'est pas compliqué, c'est comme nous. Expérimentation le chien va faire quelque chose. Où okay cette chose-là a été faite donc, Chantal nous dit qu'elle, elle l'a elle fait appel à, 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 à un comportementaliste ou en tout cas à un éducateur, ça l'a beaucoup aidé. Je vois Alison qui a marqué un chien de 4 ans qui a des comportements agressifs, c'est possible de rééduquer son chien pour travailler son comportement canin Ma question, c'est plus dans le sens que, vu que mon chien est rendu plus âgé, il a pris de mauvais plis, je veux y remédier à la situation. Alison, oui, il est toujours possible. C'est juste que ça va prendre probablement un petit peu plus de temps. C'est sûr que n'importe. Vous, là. Moi, là, j'en vois des gens qui partent aux études, qui repartent à apprendre des nouvelles affaires, à, à réapprendre des nouveaux comportements, des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences, des savoir-faire à 60, 65 ans, qui décident de révolutionner leur vie, de recommencer quelque chose de nouveau, ça m'épate. C'est sûr que quand on les commence à 12, 13, 14, 15, 18, 20 ans, c'est plus facile, mais c'est pas impossible. Avec nos loulous, c'est pareil. Ça va prendre un peu plus de temps, ça va prendre plus d'engagement mais c'est possible. Ça va prendre de la méthode, effectivement, parce que le niveau d'apprentissage d'un chien ne se fait pas comme avec euh, un chiot, comme pour nous. La pédagogie pour les enfants, l'andragogie pour les adultes nécessite des, des méthodes légèrement différentes pour permettre à un adulte d'apprendre différemment qu'un chien, mais ça se fait. Oui, oui, ça s'apprend. Le social est très important aussi avec les chiens vieux qui jouent... Euh, alors, avec des chiens plus vieux qui jouent avec eux... Ça aide beaucoup aussi, ben oui. Mais ça, c'est même ultra essentiel, Chantal. Euh, pourquoi ça, ça nous rappelle une chose. Puis eh, merci hein, de tous vos commentaires. Vous êtes vraiment en train de bien alimenter tout ça. J'adore ce que vous... J'adore vos partages. Moi, je capote d'être tout le temps en, en, avec vous euh, lors de ces soirées-là. Pour moi, il n'y a pas meilleur éducateur qu'un chien pour éduquer un chien. C'est certain. Un chien équilibré, bien sûr. Un chien qui va être capable de parler. Un chien qui va être capable de dire à l'autre, « Eh ben, bah, bah, tu dépasses les bandes des limites, mon gars. » Là, ce n'est pas correct ce que tu es en train de faire. Comprends que là, là si tu fais ça, là, ton humain, il ne va pas capoter, bon. Mais ça, là, nous, on a notre attitude, on a notre façon d'être. Mais le chien, là, il va être capable de l'éduquer de manière bien plus euh, durable dans le temps parce que c'est de l'apprentissage intraspécifique entre congénères. Moi, je suis obligé de vous faire un aveu. Hein. Puis je le fais à tous mes clients. Puis je sais que pour certains, ça les déçoit. Donc, je vous le dis maintenant parce que comme ça, au moins, vous ne serez pas déçus après par la suite. Moi, je n'ai jamais été un chien de ma vie. Non, madame, monsieur. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais marché à quatre pattes avec une queue par en arrière qui branle en permanence, des oreilles qui se lèvent dès que j'entends une espèce de moustique péter, puis un flair qui, avec mes 150 capteurs, 150 millions de capteurs, là où nous, on n'en a que 5 millions, est capable de pogner toutes les odeurs qui se passent dans l'environnement, d'écouter. Non, je, je, je n'ai jamais été un chien. Donc, je ne suis pas toujours convaincu que ce que je dis, c'est vraiment ça qui se passe dans leur petite tête. Mais deux chiens entre eux, ils savent ce qui se passe. Donc, eux autres, là, quand ils vont devoir se dire les affaires, ils vont, se les vra ils vont vraiment se les dire à leur manière. Donc, vous avez raison, Chantal, c'est important que le chien soit également exposé à des chiens adultes, plus vieux, quand ils sont bébés, pour être capable de consolider leur éducation intraspécifique en parallèle de notre éducation d'humain, parce qu'ils vivent dans une société euh, où la domestication est de plus en plus importante. Donc, merci de ce point-là également. Revenons sur notre apprentissage par association. Donc, notre chien, il apprend par association, il va associer ce qui va se passer, il va expérimenter quelque chose. Genre, je demande à assis. Au début, un chien, il ne sait pas ce que ça veut dire assis. Hein, on s'entend, il comprend pas ce que ça veut dire assis quand il commence. Il ne sait pas pendotte. Ok, oui, un trait spécifique, mais que faire avec un chien qui n'a pas de talent pour lire, et comprendre les signaux avec des autres chiens Ben, Nathalie, c'est une bonne question. Ce qui va être très important pour cela, euh, ben, c'est de l'exposer à des chiens qui sont assez équilibrés, assez pédagogues pour être capable de pouvoir justement l'éduquer de manière soft correcte. C'est plus facile quand il est puppy parce qu'il a ce qu'on appelle le puppy pass. Enfin moi j'appelle ça comme ça. Là. Ça veut dire qu'il va sécréter des phéromones qui permettent aux, chi aux autres de dire eh, "Papa, moi je suis encore un bébé, hein. moi j'ai le droit, hein. moi j'ai le, de... le droit de, tirer un peu n'importe quoi, j'ai le droit de faire un peu n'importe quoi. Vous pouvez pas m'embêter moi pour l'instant, ok Vous pouvez pas m'embêter. Donc à partir de là, c'est sûr que le chien il, on va lui tolérer une marche parce qu'on sait qu'il est en période d'éducation et d'apprentissage. Mais à partir du moment où il a passé son stade du puppy qui sécrète des phéromones qui lui fait arriver dans l'âge adulte, il a intérêt à être super au fait de l'éducation canine puis des codes canins parce que là, entre eux, ils ne se feront pas de cadeaux. D'où, effectivement, la nécessité de l'exposer à des chiens. Mais s'il n'en a pas encore, faites-le rencontrer quand même d'autres chiens, mais des chiens dont vous savez qu'ils sont capables d'endurer certains comportements maladroit, mais capable également de le rééduquer pour lui faire comprendre, hey, ⁇ Et papa, c'est pas correct ça !⁇ Alors là, je vois qu'il y a plein de... de, de, de... Alors, elle a mordu un caniche cette semaine, je ne comprends pas ce comportement. J'ai acheté une muselière, mais je ne veux pas que cela rende mon chien plus agressif, car j'ai peur que cela lui donne l'impression d'être emprisonné. Donc, la socialisation, pour l'instant, me fait peur ces derniers temps. Donc, je ne comprends pas, je ne comprends pas son comportement. Sarah Maud qui ajoute, alors Sarah Maud, euh, entre parenthèses, c'est une de mes collègues de travail. Elle travaille en comportement, c'est une comportementaliste également. Alison, il existe des méthodes de désensibilisation pour la muselière afin qu'il qu adore cet outil. Mon chien l'adore, on a travaillé fort sur une longue période de temps. Euh, il, il aura la paix avec cela et… Euh, et puis beaucoup de saucisses, oui, c'est vrai qu'on peut, on peut effectivement le désensibiliser là-dessus. Émilie euh, qui ajoute, Allison, peut-être l'autre chien a dépassé les limites de ton chien, effectivement, ça peut être ça aussi. Et Chantal, il faut faire attention aux autres chiens que vous ne connaissez pas comme dans les parcs à chiens. Effectivement, bon. et regardez, tout ce que vous dites, c'est vraiment pertinent et ça vient vraiment alimenter tout notre positionnement. Parce que veut- veut pas, votre chien, là, il a mordu, juste une petite précision, il a mordu euh, la caniche. Il était-tu attaché ou il était-tu lousse Ça, c'est important pour moi de savoir, Alison. Est-ce que votre chien était attaché ou est-ce qu'il était lousse Si vous pouviez me répondre, ça me permettrait d'avoir euh, une information complémentaire à la situation. Parce que je ne le sais pas, moi. On s'entend qu'un chien qui est attaché versus un chien qui est lousse ne va pas se comporter de la même manière. Hein. S'il est attaché... Euh ça fait différent. Donc, si vous pouvez me répondre à cette question-là, ça serait formidable. Je sais que ça va prendre un petit délai. Donc, ça me permet de. Mon chien est détaché, mais le caniche était attaché. Belle. OK, c'est ça. Bon. Eh oui, ben oui. Euh, ça, c'est, on va dire, l'équité. Hein. Euh, votre chien a la possibilité de pouvoir euh, réagir comme il veut. Donc, de pouvoir s'enfuir s'il se sent menacé, mais de pouvoir attaquer s'il a aussi euh, se sent menacé, mais qu'il souhaite le faire. Parce qu'il a le libre arbitre de le faire. Le caniche qui lui-même a dû probablement avoir une réaction parce que lui était attaché, par exemple. Moi, j'aurais tendance à laisser faire. Peut-être, c'est pas évident à dire ça. Hein. Mais il aurait peut-être fallu que l'autre personne avec son chien ou le laisse loose ou que vous effectivement vous récupériez votre chien. Malheureusement, on est obligé. J'étais dans le bois et je venais de passer une heure à faire jouer mon chien avec deux autres golden et ça allait super bien. Et les deux autres golden étaient nécessairement libres également et loose. C'est ça. C'est qu'il n'avait pas les mêmes, la même équité. Le caniche, là, il a probablement développé en plus des, 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 des comportements beaucoup plus menaçants parce que lui n'avait pas la liberté de pouvoir agir et ayant émis des comportements menaçants parce qu'il n'était pas... Ouais, exact. Bah oui, Mais oui. Mais c'était quasiment évident, Allison, et je le comprends ce qui s'est passé parce que le chien, justement, le caniche, lui, s'est pas senti en confiance avec son, 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 son humain parce qu'il s'est dit, popop pop, là. Là, il y a un chien qui s'en vient, il ne gère pas, il y a de quoi qui s'en vient, Ben, c'est sûr que c'est monté en puissance. Et puis forcément, votre chien, lui, il ne s'est pas non plus laissé faire. C'est qu'à partir de là, il aurait très bien pu ignorer, il aurait très bien pu éviter. Mais il y a eu une montée en situation qui fait que veut, veut pas. La laisse, là, c'est vraiment pas intéressant. Hein. Mais c'est malheureusement nécessaire pour notre sécurité, pour la sécurité des chiens. Mais c'est ça qui va faire que, justement, vous allez devoir devenir un pilier pour le chien. Il va falloir qu'il prenne... Confiance en vous. Pourquoi bah Parce que s'il a confiance en vous, le fait d'être attaché à vous sera moins menaçant pour lui. Reprenons notre exemple de l'araignée. La madame, si on se balade ensemble, elle va se sentir beaucoup plus à l'aise à l'avenir si on croise un une nouvelle araignée. Pourquoi bah Parce qu'elle sait que je vais agir de manière conséquente par rapport à la situation. Elle sait que j'ai compris qu'elle en avait peur et elle sait que je vais agir correctement en conséquence. C'est ça qu'on va devoir bâtir ensemble avec votre chien. Euh, j'ai France qui rajoute, j'imagine qu'il ne réagit pas lous car il a associé attaché égal être attaqué. Repose ta question. Alors, juste, j'essaie je, je, de comprendre ce que, que France m'a marqué. Donc, j'imagine qu'il ne réagit pas loose car il a associé attaché égal être attaqué. Repose ta question. Ouais, effectivement. Euh, attaché égal être attaqué, c'est sûr que si en plus euh, le chien associe effectivement qu'il a eu occasion de vivre des expériences, tout va dépendre comme je vous dis, c'est très compliqué hein, d'analyser. C'est là où vous voyez que c'est important. Quand moi, je vais à domicile chez les gens, c'est là où moi, je vais poser un nombre un infernal de questions auprès des gens, où, où je vais être amené à évaluer moi-même des situations. Parce que veut, veut pas, ça en demande tellement des informations. Il peut y avoir juste des fois un simple facteur qui va faire que dans telle situation, le chien va agir de telle manière. Et avec un petit changement de facteur aussi minime soit-il. Elle... Ah, ok, ok, je répondais à okay, Isabelle. Oh, et, et je vous relirai après parce que sinon, je pense que j'avancerai pas, pas sur ma, sur ma conférence. Et je prendrai le temps vraiment de tous vous lire. Je prendrai le temps de tous vous répondre. Et on reprend sur notre apprentissage par association parce que c'est important. Justement, le chien, bah, regardez, c'est ça. Il apprend par association. Il vit une expérience. Il expérimente quelque chose. Okay Il est en train de vivre quelque chose. Il est dans la rue. Il est stressé. Il est attaché à votre chien. Il est attaché à votre laisse, pardon. Oh mon Dieu, mon Dieu, je suis attaché à, ma la, à la laisse de mon humain. Qu'est-ce qui se passe On croise un autre chien. Oh mon Dieu, le chien est en train de s'énerver, il est agressif. Ok, là, il va, ce qui va se passer, c'est que suite à cette expérimentation, il va y avoir une réaction de l'environnement. Ok, genre, reprenons votre exemple, Alison. Euh, le chien là est en train de, 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 de il est attaché. Là, le, le, le caniche est attaché. Il est en train de réagir. Ok, votre chien s'en vient. Ok, il s'en vient il va se faire potentiellement attaquer, il va se faire mordre, parce que le caniche a lui-même exprimé un mécanisme de défense lié à la peur de ne pas pouvoir se libérer de la situation, parce qu'il est attaché à son humain. Donc, la réaction de l'environnement, c'est le fait que votre chien époignait l'autre chien, parce que lui-même n'avait même pas la possibilité de s'en aller, si toutefois il se sentait menacé. Résultat des courses, il y a un impact sur lui, et il va l'analyser. Et comment il va l'analyser c'est-tu quelque chose que j'ai bien vécu ou c'est quelque chose que j'ai mal vécu Parce que si je l'ai bien vécu, ok, là, tu es en train de me renforcer. Là, je comprends que ça, là, ça m'apporte toujours la même affaire. Waouh, waouh, j'adore. Si je l'ai mal vécu, il peut effectivement générer ben, un certain sentiment punitif qui peut même aller allé jusqu'à des niveaux traumatiques, c'est-à-dire le chien a vécu quelque chose qui le traumatise et à partir de ce moment-là, effectivement, ça va ajuster son comportement par la suite. C'est comme ça qu'il va apprendre, c'est comme ça qu'il va associer, il va dire dans telle situation, comme le disait France tantôt, Chien attaché égale chien attaqué. Chien attaché égale chien attaqué. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est important d'avoir le comportement adapté. C'est sûr que si les deux chiens étaient attachés, on aurait eu un contrôle sur l'environnement. Pas nécessairement sur le chien, mais sur l'environnement. L'environnement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'aurait pas été en Les chiens n'auraient pas pu être en contact. Si les deux chiens avaient été loose, probablement qu'eux-mêmes se seraient générés sur leur comportement et puis ce serait régulé. De même, sauf si ça dégénère, où là, il faut intervenir. Et effectivement, il faut qu'on sépare les chiens, puis qu'on leur fasse prendre de la distance. À partir du moment où les chiens sont attachés et qu'ils ne peuvent pas se rencontrer, on parle là réactivité aux chiens, il faut qu'on ait des comportements qui restent très clairs. C'est vous qui avez le lead sur la situation. C'est vous qui gérez la situation, OK Quitte à ce que vous mettiez entre le chien et l'autre chien. Pareil pour le chien d'en face. « Madame, pouvez-vous faire demi-tour avec votre chien, s'il vous plaît Parce qu'on va se mettre entre nos chiens. » Et on va catcher leur attention. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient capables au moins de se croiser, mais qu'on gère la situation. Qu'on gagne du focus, qu'ils nous regardent, qu'on gagne un niveau d'autocontrôle, il faut qu'ils se gèrent. Mais pour qu'ils sentent qu'ils n'ont pas à être en stress dans cette situation-là, il faut qu'ils se sentent en confiance. Il faut que ça soit prévisible. Il faut qu'ils qu sentent que vous êtes en contrôle de la situation, que vous êtes parfaitement en confiance, que vous savez que. Non, non mais là, c'est juste un chien, mon petit loup, là. Ok, C'est un de tes congénères. Je comprends que tu en aies peur, mais rassure-toi, là. Est correct, on va t'apprendre là, on va le faire, tu vas voir. Et si à un moment donné tu es stressé, regarde ce que je fais, je prends de la distance, comme j'ai fait avec mon araignée, avec la madame. J'ai pris l'araignée, puis je suis parti à l'autre bout de, son, de, de sa cour, je suis allé poser l'araignée. La, Dès que j'ai pris de la distance avec l'araignée, ok, ça va mieux là, je me sens quand même mieux. Et là, on reprend le focus sur notre chien. Donc, c'est important effectivement qu'on lui envoie des signaux en disant Je comprends que tu es en stress, mon petit loup, je prends la situation en main, il n'y a pas de problème, tu n'as rien à gérer, je m'en occupe. On, on, eh, je vais employer un terme euh, ça va pas faire beau hein, avec mon accent mais on ok on part de l'autre bord, on s'en va on rentre à la maison euh, c'est comme ça que ça se passe, je comprends et on tâche une fois que le chien est revenu en mode plus concentré là on se le prend alors donc Alison dit car je suis stressé de croiser d'autres chiens depuis cet incident alors j'ai l'impression qu'elle ressent mon stress et j'ai essayé de, cap, de, de capter son attention, effectivement Alison ça c'est le vous vous apprenez par association aussi Okay, donc, maintenant que vous allez croiser un autre chien, vous allez être stressé. Sauf que votre chien, lui, il ne va pas faire de l'auto-suggestion. Il ne va pas se dire Ok, Allison, là, elle est stressée parce qu'elle a peur, elle anticipe ma réaction potentielle. Non, non. Elle va se, il va se dire Oh là là, encore un chien, elle stresse. Oh mon Dieu, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Je te l'avais dit hein. je t'avais dit que les chiens étaient stressants. Hein. Hein, mon petit gars, je te l'avais dit Oh là, on va lui faire sa fête. Allez, nous, on va lui faire comprendre que là, tu ne t'approches pas d'Alison. Elle est stressée, elle n'aime pas ça. Il n'a pas cette capacité, effectivement d'où la nécessité, comme je vous dis une fois de plus, de reprendre le contrôle sur le, la situation, de se dire Eh, bah, bah, c'est pas vrai là que c'est dangereux, je te tiens en laisse, on est correct, on va gérer la situation mon petit loup et on va prendre de la distance. Mais ça, ça se travaille par étapes. C'est sûr que vous n'allez pas le travailler tout de suite juste à côté d'un chien s'il est amené à déclencher à côté d'un chien. Travailler ce gain de confiance, travailler ce focus, la capacité que votre chien va avoir de vous regarder et travailler une séquence, une séquence de façon à ce qu'il soit prévisible pour lui de savoir ce qui va se passer. Ça nous revient à notre histoire de loup. Donc, on va travailler sur une séquence. Mais pour ça, il faut qu'on ait des règles claires de fonctionnement. Il faut qu'on ait une relation claire avec le chien. Ça nous ramène avec les fondements dont je vous ai parlé tantôt. Mais effectivement, tout ça est lié. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire Comme je dis, il faut qu'on ait des règles faciles à enseigner à notre compagnon. Ça, c'est la première étape. Il faut qu'on soit capable de parler. Moi, ma méthode, quand j'interviens chez vous, je dis rarement non à un chien quasiment même jamais parce que quand je dis non à un chien ça veut dire que je ne veux pas qu'il fasse quelque chose mais si je ne veux pas qu'il fasse quelque chose ça veut dire que à contrario je veux qu'il fasse quelque chose d'autre qu'est-ce que je veux qu'il fasse à ce moment-là et je vais m'employer à lui apprendre de manière progressive sans trop de stimulation au départ en ajoutant de la stimulation en ajoutant de plus en plus de stimulation en l'ajoutant de plus en plus je vais m'assurer de lui apprendre ce que je veux qu'il fasse à la place donc ma méthode elle est ce que je ne veux pas que mon chien fasse je l'ai analysé Maintenant, je vais réfléchir à ce que je veux qu'il fasse à la place, et je vais le lui enseigner. Mais il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile. Pourquoi ben parce qu'il faut que on suive suivre de manière constante. C'est ça qui va faire qu'on va être capable aussi d'introduire cette règle de manière claire. Moi, là, les chiens, du, le, les loups du Wolf Park, c'est parce que tout le monde fait toujours la même chose pour rentrer dans leur enclos que les loups sont maintenant capables d'analyser ce qui va se passer. Si une fois de temps en temps c'est de même, une fois de temps en temps c'est de même, et une autre fois de temps en temps c'est de même. Ils ne généralisent pas, ils ne sont pas capables d'apprendre que ce schéma-là est un schéma confiant, prévisible et qui fonctionnera toujours de la même manière. Donc, il faut qu'on travaille toujours de manière constante. D'où la nécessité d'avoir des règles simples et faciles, parce que vous, vous allez devoir garder ces règles tout le temps en mémoire. Il va falloir que ce soit aussi des règles et des mesures, surtout si vous êtes en famille, quand vous n'êtes pas que seul que toute la famille soit capable de la gérer. Ben oui, parce que très souvent, on va dire, ouais, mais des fois, ce n'est pas moi qui vais promener mon chien, des fois, c'est mon chien. Ça ne se passe pas pareil. Ben, essayons d'avoir des protocoles qui sont les mêmes. Vu qu'au Wolf Park, ce pas toujours les mêmes personnes non plus qui rentrent dans l'enclos des loups, c'est pour ça qu'on a créé, une fois de plus, des règles claires, une façon de fonctionner claire, pour que les gens puissent, vu que ce sont toujours des gens différents qui rentrent dans les enclos, puissent rentrer et être capables d'avoir la même réaction de la part de leur, euh, des loups. Faisons la même affaire. Réfléchissons à des séquences très claires. Comment je veux que mon chien se positionne? OK, moi, comme mon chien va croiser du monde, je veux, que, je veux lui lancer un commandement genre check. Je veux qu'il me regarde dans les yeux. Ah ouais. Mais si tu veux qu'il apprenne à te regarder dans les yeux, quand tu dis check tu ne vas pas le lui apprendre en face d'un chien tout de suite. Tu vas le faire d'abord chez vous. Tu vas le regarder, tu vas lui demander un check. Dès qu'il te regarde dans les yeux, yes, tu récompenses. Check, regarde dans les yeux, yes, tu récompenses. Tu vas le travailler 1000, 1500, 2000, 3000 fois, tu vas le répéter pour être capable à un moment donné de faire en sorte que ça soit rentré dans sa tête. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à l'exposer à un stimuli qui va le, le distraire. OK, check. Oh là, ça marche moins là. OK, OK. Le stimuli est peut-être un, un, un peu trop intense. On va y aller progressivement et on va le travailler de cette manière-là. C'est du temps. Je sais que c'est du temps. Mais comme je vous dis, euh, ça va être la seule manière avec laquelle on va être capable d'atteindre du résultat, c'est d'en consacrer. Il n'y a pas de formule magique. Certains me parlent de, de, de pension éducative et ça existe. Puis euh, ça peut très bien marcher. Je. je, je c'est juste que la pension éducative va se focuser sur le chien, mais va pas se focuser sur son, son environnement et encore moins sur les humains. C'est-à-dire que si moi, je lui apprends à faire quelque chose chez moi, avec tous mes chiens, hein, quand j'ai tous mes chiens avec moi, je vais le lui apprendre et il va être capable d'avoir des comportements en lien avec mon environnement, en lien avec mon attitude, en lien avec ce que je dis moi, en lien avec la façon avec laquelle moi-même mes protocoles sont mis en place. Oui, je vais vous apprendre des protocoles. Mais sauf que si je ne vous l'ai pas fait acquérir tranquillement, pas vite, et je vous donne tout ça d'une shot, hey, ça fait trois semaines qu'il est chez nous, tiens, tout ce que j'ai appris, ça par contre, il faut que tu appliques ça à la lettre, tout pareil chez vous. Pas sûr que vous allez avoir ce niveau de constance et pas sûr qu'en final, il y a des choses qui ne vont pas glisser avec le temps. C'est pour ça que, oui, les pensions éducatives, dans certains cas, ça peut aider à starter, mais ça ne vous change pas vous. Ça va changer votre chien dans un environnement bien particulier, dans un cadre bien particulier, avec des règles bien particulières. Mais ça ne vous change pas vous et ça ne change pas non plus euh, les stimulations de votre euh, environnement. Et d'ailleurs c'est pour ça que les règles peuvent évoluer. Mais oui, euh, le chien jusqu'à présent on lui demandait de s'asseoir parce qu'on voulait qu'il fasse la chose. Mais c'est tellement fait de manière acquise. Puis maintenant on veut qu'on peut être amené à faire évoluer les règles. Puis on voit que l'âge n'est pas nécessairement un problème pour les faire évoluer les règles, pour lui faire apprendre des choses. Ça prend juste un peu plus de temps. Mais les règles peuvent évoluer. L'idée c'est toujours qu'elles soient claires, faciles à enseigner puis qu'elles soient constantes quand vous les faites évoluer, quand vous les faites changer. Mais il en faut, c'est important. Et entre nous, ça nous en prend des règles aussi. Regardez, là, les règles, ça va être quoi? Ça va être nos différents codes civils, codes pénal, machin, tu ne peux pas faire n'importe quoi. 120 km/h sur l'autoroute, eh mon Dieu. Or, la loi, c'est 100 km/h. Puis on va le faire respecter, par exemple. Pareil, il va falloir que ce soit juste dans la manière avec laquelle vous faites respecter les règles. Ben oui, parce qu'on a confiance envers un système de justice qui est juste. Il n'est pas juste, on n'en a pas confiance. Ah, moi, je n'ai pas confiance en mon système de justice. Ah, c'est que les riches. Il ne défend que les riches. Attention, il n'y a, a pas de question de riches. Vous savez, ce une fois de plus, c'est Ah non, mais c'est que, hein. ce que pour eux. Là, les Bezos, les Amazones de ce monde, que pour eux. C'est sûr que si on met des doutes en injustice, justice, qu'on n'en a pas confiance, on va la mettre en cause. Donc, il faut toujours cette justice aussi nous-mêmes. Puis le chien, lui, il est capable hein, de comprendre à un moment donné s'il considère que c'est correct ou pas correct, la manière avec laquelle on l'a géré Nadia qui nous dit c'est comme les enfants qui sont sages à l'école et les petits monstres à la maison. <laughs> c'est ça C'est ça bah oui. Bah oui, c'est ça. Bah oui, ils sont sages à l'école parce qu'il y a toutes les règles qui fonctionnent bien à l'école puis il y a la madame qui est là parce qu'elle a son attitude pour dire moi là il va falloir que tu me gère mes 20 enfants. Puis quand ils reviennent à la maison, c'est une autre affaire. C'est un très beau parallèle Nadia, c'est en plein ça. Effectivement. Eh, hey, c'est mon gros loup, c'est Orco. Puis moi c'est ma deuxième ma demi-face mais moi je m'aime pas me voir fait que c'est pour ça que je m'ai mis ma Ma, ma grosse loutre à côté là. c'est un ski croisé Bouvier-Bernois. Il a 7 ans, 8 ans presque. 7 ans et demi. Il commence à avoir du poil blanc. Euh, J'étais chez le vétérinaire l'autre jour. Il vieillit. J'aime pas ça. Mais c'est comme ça, en tout cas. Bref, euh, mon chien que j'ai eu quand il était bébé. Pour moi, la vie, elle est plus belle avec un chien. Pourquoi bah Parce que mon chien, moi, je lui dis là c'est moi qui gère, mon loulou. Je t'aime. Je vais t'expliquer de quoi, mais je vais gérer pas mal de situations. Hein, parce que c'est moi qui vais te donner à manger. Ben oui, tu es dépendant. Ah, et ça, là. Hein, on se souvient hein, que les chiens, c'est les seuls animaux domestiques, 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 qui ont besoin de l'humain pour aller faire ses besoins. Ça reste quand même un besoin naturel. Hein. Imaginez-vous quand vous, on, vous ne pouvez pas aller faire pipi parce que vous êtes dans une rencontre ou de quoi c'est un an. Hein. Bah, le chien, lui, est obligé de, sans cesse d'attendre quand il est domestique et qu'il est à l'intérieur d'une maison, toujours demander pour pouvoir aller faire, sinon il peut s'échapper à droite à gauche. Bon, après, tu as des petits chiens qui peuvent avoir des pipipades, les chats, ils ont des litières, mais le chien, lui, il, il est il dépendant de toutes. Fait que c'est sûr que si moi, mon petit loup, déjà, à la base, quand il veut faire son pipi, il n'est pas capable, je ne suis pas capable de l'écouter quand il a envie d'y aller pour lui laisser aller faire son besoin, puis qu'il s'échappe et qu'après, je le gueule dessus, allez, pour créer le lien de confiance, allez, vas-y, hein. on va ramer. Hein. Je vous le dis, moi, on va ramer. Donc l'humain va se positionner comme un leader vis-à-vis -vis de son chien, il va lui démontrer qu'il est capable d'assumer ses responsabilités de protection, de nourriture, d'éducation, bref, de subvenir à ses besoins fondamentaux, canins et humains. Il faut qu'il se positionne comme un phare. Je gère mon loup. T'as pas besoin, ok? Il y a du monde, il y a Amazon qui débarque, là, c'est correct. T es jappé une ou deux fois, pourquoi pas? Hey, ça fait 15 000 ans qu'on te demande de nous prévenir quand quelqu'un s'en vient dans notre caverne, fait que, on, on va te laisser quand même faire ta petite job. Mais t'insistes pas, c'est correct. Amazon est là, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Là. Il vient juste déposer un carton pour mes sandales. No way, on s'arrête là. C'est bien correct. Je gère la situation. Il faut qu'ils comprennent que c'est ça. Il faut qu'ils comprennent qu'on a le contrôle, qu'on a un certain lead sur l'environnement. Il n'a pas besoin de jouer ce rôle-là. Parce que s'il ne le sent pas. Il va le prendre, lui. Il va le faire. Il ne va pas se laisser à, à, à évoluer dans un environnement dans lequel il sent qu'il y a potentiellement de la menace. Donc, c'est important qu'il ait ce leadership. Il faut que l'humain, en situation de leadership, prenne le temps d'éduquer chaque membre du groupe aussi. Ah, hey, la fameuse bulle, là, comme on disait. Ben oui, moi, si je n'ai pas éduqué mon petit loup de 4 ans à faire attention au chien, puis à lui dire papa papa non, 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 tu ne vas pas dans sa cage quand il dort. Tu ne lui tires pas les oreilles quand il est en sommeil profond. Quand il a un os dans la gueule, tu ne t'amuses pas à lui tirer dessus. Non, 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 non. Tu restes à ta distance, tu vas jouer avec tes jouets. Ben, si on n'indique pas tout le monde, si on ne gère pas cet environnement-là, c'est possible qu'on ait des problèmes. Mais ça, ça va créer un gain de confiance parce qu'on va voir qu'à chaque fois, la situation reste toujours harmonieuse et la paix reste dans la, dans la maison. Donc, vu qu'on est dans un, un environnement apaisé, paisible, ça fait descendre naturellement le niveau d'anxiété. Il faut que l'humain en situation de leadership, élabore une, situation, une série de règles qui va encadrer les relations entre le chien et les humains, puis les enseigne à chaque membre. Bon hey, quand le chien là, on sort, on lui demande de rester, on sort toute, puis après on l'appelle pour que lui puisse après sortir comme genre on lui en la aide d'honneur. mais il attend comme ça au moins il se garroge pas dans les marches en même temps que nous, il ne se garonne pas pardon, dans la porte en même temps que nous, à se coincer. Dans les marches, c'est pareil. faut qu'on lui apprenne à ce qu'il attende, qu'on soit descendu, parce que s'il y a mamie qui s'en vient et qu'elle elle est pas capable de descendre, elle va se faire renverser par Boubou, ça ne marche pas. Fait qu'on va lui apprendre des affaires. Mais tout le monde le fait, par exemple. Puis vous, les enfants, là, vous ne l'incitez pas à faire de quoi Vous aussi, hein, vous vous tenez. Hein. Puis toi, chérie, tu, 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 je sais que tu vas faire pareil. Donc, je ne dis rien. Toi, tu toi, es correct. Fait que, bref, toujours est-il, c'est ça. faut que toute la famille ait euh, la capacité de pouvoir élaborer cette série de règles et surtout de la faire respecter. On revient sur notre enjeu de prévisibilité. Moi là, j'ai confiance envers un environnement dont je sais que ça va. C'est comme ça que ça va se passer. Ah ok, c'est ça que ça va se passer après. Ah c'est. Oh, je suis à l'aise. Bref, ça revient sur notre notion de respect. Le respect, c'est ultra important parce que notre chien, c'est un être, c'est un être à part entière. Il a une existence propre. C'est pas un robot. Euh, on ne peut pas le programmer, on ne peut pas le, le, le faire se désensibiliser. On le sait maintenant qu'il vit les mêmes émotions que nous, ou quasiment les mêmes. Les grandes émotions majeures, la peur, euh, la tristesse, le sentiment de rejet, l'excitation, la joie, on sait qu'il les partage comme, comme nous. Donc c'est sûr que si à un moment donné, il vit des, des situations très émotives liées à des enjeux d'anxiété, de peur, et puis qu'on n'est pas capable de le rassurer, c'est comme si votre enfant, il s'en vient vous voir, puis qu'il pleure toutes les larmes de son corps, puis que vous n'êtes pas capable de le rassurer. Je ne pense pas qu'à un moment donné, vous allez être capable de créer un lien de confiance avec lui. Donc, c'est important que vous ayez vous-même cette écoute. Mais votre enfant, il va être capable de vous le dire Ah, oh, mais c'est parce que j'ai vu de quoi qu'il y avait, que je n'étais pas à l'aise. Et puis que là, il Ok, c'est bon, j'ai compris, il y a ça qui t'a fait peur. Malheureusement, le chien, il ne pourra pas parler comme ça. Fait que, veut, veut pas, il va falloir le comprendre par rapport à ses règles. Et ça nous ramène à l'une de nos conférences qu'on avait faites ensemble, comme je vous avais dit, euh, sur le langage canin. C'est une espèce. C'est une espèce qui est complètement différente avec ses propres codes. Il faut les apprendre, ces codes. Il en existe plusieurs, mais le langage canin nous donne la capacité d'accéder à ce qu'on appelle les signes de stress, signes qui vont nous permettre d'identifier quand mon chien n'est pas à l'aise pour que moi-même je sois capable d'agir et de faire actionner les protocoles que j'aurais appris avec lui pour lui dire oh, il n'est pas à l'aise là, ok, viens mon grand. On va faire un touch pour qu'il revienne me voir assis. Ah, super, t'es correct. Viens, on prend de la distance. On est correct. Viens-t'en, viens-t'en. On y va, on y va, on y va, on y va. Super. T'es-tu à l'aise On s'assoit. T'es encore stressé On reprend de la distance. T'es-tu à l'aise OK, c'est bon. T es tu capable d'y retourner On s'en vient-tu On met des protocoles dans lesquels il va savoir ce qui va se passer comme séquence. Il va se sentir donc plus en confiance de ce qui va se passer. Moins surpris, plus en contrôle. Et vous, il faut que vous démontriez que vous avez un contrôle. Il a une réalité, même si j'essaie d'anthropomorphiser de temps en temps, d'essayer de parler comme le chien. Mais... Mais malheureusement, sa réalité, comme je vous dis, j'en suis pas un chien et j'en ai jamais été un. J'aurais aimé l'être, puis j'aimerais me préparer potentiellement dans une autre vie à l'être, mais je l'ai jamais été. qu'à partir de là, c'est sûr que ça va prendre euh, ben une, une ouverture sur sa réalité. Ça revient à la notion d'ouverture que vous aviez évoquée dans, dans les réponses au sondage. Il a une réalité qui est différente de la nôtre. Déjà, là, le fait qu'il soit à quatre pattes, alors, ce n'est pas qu'il soit à quatre pattes l'embêtement. C'est que si vous-même, vous vous mettez à quatre pattes, vous allez vous rendre compte que vous ne voyez plus la vie de la même manière. Puis, quand vous êtes comme... Alors, je vais vous le montrer, mon petit loup, parce que j'avais un, un co-animateur avec moi, mais il m'a abandonné. Il m'a abandonné en route, mais je vais vous le montrer quand même. On va juste l'agrandir un peu. Je vous présente... Jack, salut mon bébé. Fais-tu un coucou à la caméra? Petit mmh, mmh, doux. Mmh. Jack, c'est un petit bébé qu'on m'a abandonné, mais qu'on va euh, ou replacer ou garder, j'en sais rien encore. Mais euh, Jack, il a sa réalité. C'était un chihuahua. <laughs> C'était un petit chihuahua. Ben, je peux vous dire que si je me mets à plat ventre, hein, si je me mets à plat ventre, c'est-à-dire quasiment au même niveau que son regard, que je regarde par terre quand je suis à plat ventre, puis que je vois quelqu'un qui se met devant moi quand moi je suis à plat ventre, donc je vois la semelle quasiment de la personne. Écrivent que je me dis, ben c'est ça qu'il voit, lui, toute la journée. C'est comme ça que lui, il perçoit le monde. Ça, ça c'est sa réalité à lui. Eh hey mon Dieu, mais ça m'envoie ailleurs, là. Eh hey mais mon Dieu, mais je n'imaginais pas qu'il voyait ça de même. Ben si, mets-toi à plat ventre, tu vas voir ce que voit un chihuahua. Sauf que toi, là, quand tu es tanné d'être à plat ventre, tu peux te relever. Mon petit loulou, là, il resterait sur ses quatre pattes râle seul jusqu'à la fin de sa vie, il a cinq ans, hein, puis il grandira plus. Fait que euh, oui, il va rester dans cet état-là, il va rester dans ce statut-là. Et ça, ça nous oblige aussi à prendre conscience que sa réalité n'est pas la même que la nôtre, donc des choses qu'on a l'impression qui ne sont pas épeurantes peuvent le devenir pour lui. Un tas de neige, bon mon dire un montagne de neige, c'est rien pour nous, Griff ouais, mais si pour lui, ça ressemble à l'Everest, en sentant qu'il va pas voir les choses de la même manière. Puis euh, sa perception, la perception de son environnement, ça aussi il faut le respecter. Respecter comment il perçoit les choses, c'est très important ça de voir que ben, lui il ne le perçoit pas de la même manière. Oh ben là c'est juste un chien, regarde il est en train de jouer. Non, il est peut-être harcelant là. Hein? Il commence peut-être à devenir un peu tannant. Hein? C'est que ça marche pas ton affaire. C'est que sa perception de la réalité, de sa, de son environnement, n'est pas nécessairement celui que nous on a. Ça aussi il faut être capable de le respecter pour être capable de lui démontrer que on peut se mettre à sa place. Faire un peu d'empathie, pas de sympathie, mais d'empathie, puis d'être surtout capable après d'adopter la, la bonne méthode ou le, le bon comportement. Et il faut respecter ses limites. Ben oui, on parlait de bulle tantôt, c'en est. C'est une limite euh, spatiale. Okay C'est euh, dans l'espace, moi j'ai mon tapis, je ne veux pas que tu dépasses mon tapis. Pas compliqué, là, je ne veux pas que tu le dépasses. Et ça fait déjà une et un quart Donc, pour votre compagnon, si vous êtes capable de vous comporter de cette manière-là, c'est-à-dire d'avoir des règles qui sont très claires, que vous avez travaillé avec lui de façon à le lui rendre prévisible. Que vous, vous avez une attitude, oh, je suis en confiance, l'araignée, je te la prends ma bouille, il n'y a pas de problème, regarde, je l'envoie plus loin, sois à l'aise, je gère la situation, tu croises une autre araignée, je contrôle, tu n'as plus rien à voir, tu n'as plus à avoir. avoir peur de rien. À partir de là, c'est certain que le loulou, vous lui lancez des signaux, des signaux qui vont lui permettre de se dire, ok, il comprend vraiment ce que je ressens, puisque je veux lui exprimer. Là, il sait exactement comment, dans quel état émotif je suis, là, là il voit que je ne suis pas bien, là. Ok, J'anthropomorphise, attention, il ne dit pas tout ça comme ça. Il apprend par association. Il fait juste qu'associer. OK, là je suis en stress. Il est en train de débarquer. Ouh, moi, ça va mieux. Positif. C'est correct. Il comprend. Deuxièmement, ah, bah, il agit comme il faut pour me rassurer. Ben oui, je prends l'araignée. Je te l'envoie plus loin. Tu es en stress parce que tu as peur que le chien qui est en face de toi te bouffe tout cru. On va prendre de la distance, mon grand. T'inquiète pas. Oui. Bien, bien, bien. on va voir ailleurs. Hey, hey, le monde est grand. Le monde est vaste n'est pas le petit chien d'en face qui va nous changer la vie viens on prend on prend hey, on prend la distance ok ça nous empêche pas qu'en côté de ça on peut travailler sur de la désensibilisation après c'est-à-dire l'amener progressivement à être exposé à son stimuli qui déclenche c'est-à-dire d'autres chiens très éloignés d'abord puis de s'y rapprocher jusqu'à ce qu'il soit capable de l'assimiler de manière très progressive ça aussi ça prend du temps ça peut prendre des jours ça peut prendre des semaines ça peut prendre des mois il faut prendre le temps mais agissez en attendant pour lui faire lancer le signal que Ok, là, là, on est en train de débarquer. Donc lui, là, il comprend que quand je suis en stress, on prend la distance. Ben, c'est comme moi avec l'araignée de la madame. Ok, là, il, il prend la distance. Je suis correct. Je suis, plus, je, je suis plus safe maintenant. Je sais que si maintenant on recroise un autre chien, il a le contrôle de la situation. Et on va prendre la distance. Il ne va pas me le mettre volontairement dans la face pour me mettre encore plus en stress, ta barouette. Il sent qu'elle a le contrôle ou que vous, vous avez le contrôle de la situation. Comme je vous dis, pour ça, c'est important d'affirmer un certain leadership. Il faut que le chien comprenne que vous gérez la situation, sinon il va le faire. Et comme je vous dis, il va le faire à sa manière. Et c'est cette manière-là qu'en général, vous, vous, ne, vous avez de la difficulté à gérer. Pourquoi bah Parce que sa manière va être parfois, et de plus en plus maintenant, avec les problèmes de socialisation qu'on a rencontrés à, à cause de la COVID, il va réagir beaucoup en hyper-réactivité. Qu'il soit réactif, c'est normal, un chien qui est pas réactif, il est mort. Mais qu'il soit hyper-réactif, qu'il hyper-réagisse à la situation de manière hyper-intense. Là, par contre, c'est là où on a de la job effectivement à faire et c'est là où il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas à avoir ce, ce comportement-là, mais il faut qu'il qu soit confiant, qu'il sache que vous allez le gérer, vous. Et enfin, il comprend ce qu'on attend. Euh, bah, qui, 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 je comprends ce qu'il et ce qu'elle attend de moi et je sais y répondre parce que c'est pareil. Vous, il va vous émettre des choses, mais vous, vous allez lui émettre aussi des demandes et s'il est capable d'y répondre, vous, ça vous donne aussi un signal comme quoi votre chien est en train de récupérer un focus avec vous et vraiment, pleinement, en confiance et en conscience, en pleine conscience avec vous à ce moment-là. Moi, j'ai cette mots magique chez Horus. Hein. Sept mots magiques qui nous aide dans toute notre vie. Puis vous allez voir que ce pas que chez Horus. Hein, je pense que ça marche partout. Premier, patience. Laissons-lui le temps. Laissons-leur le temps de faire les choses. La confiance, ça se gagne. Ça se gagne. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes rentré un jour en contact avec quelqu'un et qu'au bout de deux minutes, vous lui dites « Ah, lui, je lui fais 100% confiance, les yeux fermés. » là, rien que de le voir, là, il a l'attitude qui me donne le compliment. Non, Il s'est passé plusieurs événements qui vous ont démontré que, OK, lui, vraiment, je peux avoir confiance. Il garde des secrets. Il est, quand je lui dis de quoi, il, il est à l'écoute. Il agit comme il faut. Ça se gagne. Mais ça prend du temps. Il faut de la patience. De la constance. Le chien, lui, il a besoin de règles claires. Il n'est pas comme nous, on ne va pas être capable d'apprendre un code pénal complet pour savoir comment chauffer, un code de la route complet pour savoir comment chauffer sur la route. Là, lui, il va falloir que ce soit bien plus clair, bien plus rapide que ça. Là. Mais pour ça, il faut qu'on soit constant dans nos comportements. Il faut que ça soit toujours la même manière. Ah, persévérance. Ben oui. Comme je dis, c'est souvent l'image le, le, que j'ai de la personne qui est en train de bûcher dans sa mine. Elle arrive quasiment au bout, là. On voit les diamants de l'autre côté, puis elle s'arrête à ce moment-là. Fait demi-tour. Ben, ben on était à deux coups de biche près. Persévérer, ça peut être des fois juste les deux petits coups supplémentaires qui vont faire que le lien et la connexion va se faire. Soyez clair. Le chien, il ne comprend pas. Et regardez tout le blabla bla bla que je vous ai dit aujourd'hui. Si je me réécoutais, là, je vais m'auto-souler. Franchement, merci pour ceux qui sont encore avec moi ce soir. Merci de supporter tout ça parce que, Kriv, j'en dis bain des affaires. Moi, mes chiens, là, sur tout ça, j'ai les... vu peut-être réagir trois, quatre fois parce que j'ai dit, dit des mots qui leur parlaient mais tout le blabla à côté. Euh, Alors si on veut vraiment le catcher là, qu'on veut vraiment avoir une communication, une interaction avec lui que ça marche now, mon dieu, soyez clair. Soyez clair et ayez des mots qui connaissent déjà, qui sont simples pour lui. Soyez indulgent envers vous et envers lui. Ah mais moi mon chien ça bah oui, mais toi ça te prend aussi du temps pour changer là. Je te dis là depuis le début du cours que si tu sautes dessus, il faut que tu te retournes. Regarde, tu me l'as dit combien de fois quand tu t'es sauté dessus ah, non, oh. « Ah oh oui, c'est vrai, il faut que je me retourne. Ah oh, oui, c'est vrai. » Bon, ben, c'est sûr que pour vous, ça va prendre du temps pour apprendre aussi. C'est normal, c'est normal, ça fait partie du cycle. Mais si vous êtes indulgent sur vous, soyez indulgent sur lui aussi. L'indulgence, ça marche des deux bords. Tolérance, eh oui, la tolérance. Malheureusement, votre chien a des comportements que nous, on considère comme nuisibles, comme je le disais dans la vidéo. Ah, quand il saute sur nous, ah, non on n'aime pas ça. Ah, quand il jappe, ah, ben, surtout quand on est dans, dans… Quand il nous mordit, il bébé, il nous mordit. Il nous court après quand on court dans la maison. On n'aime pas ça. Oui. Mais c'est parce que pour lui, c'est un comportement normal. Nous, dans notre environnement, on le considère comme nuisible parce qu'on ne veut pas que ça fonctionne de même. Mais c'est un comportement normal pour lui. Soyons-en tolérants et ça nous ramène à notre respect. Et ça, là, si vous avez ces sept mots-là en permanence avec vous, il y a des choses sur lesquelles vous allez passer bien plus au travers. J'en suis convaincu. et les amis, ça s'arrête là pour nous, pour ce soir, parce que ça fait déjà 1h20 que je vous, je vous saoule euh, avec tout ça. Mais vous le savez maintenant, hein, c'est ma passion, c'est ma vie. Moi, les chiens, là, ils m'ont sauvé la vie deux fois. Enfin, le mien, mon chien. Les chiens derrière. C'est ce qui donne du sens à ma vie présentement, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un fun extraordinaire. Je, 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 c'est ça. Ma, ma vie, elle est là. là. Ma, ma vie, elle, elle, est, euh, elle est avec les chiens. Je vais offrir, là, parce que là, je, je continue à faire des, des conférences gratuites, mais là, je vais offrir une conférence exceptionnelle. Je vais vous faire ça le 26 mars prochain, de 9h à midi. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises, et puis euh, je capote déjà de la faire. Bon, il reste encore des petits trucs à fine-tuner, mais je capote déjà de la faire. Mais je vais la faire juste pour 10 personnes. Pourquoi ben Parce que je veux que cette conférence-là soit une conférence. Interactif, qu'on puisse vraiment interagir les uns avec les autres, qu'on prenne le temps de prendre vos cas, parce que je vais les lire ce que vous m'avez marqué, hein, pour ceux pour lesquels je n'ai pas répondu encore directement, bien que vous êtes répondu entre vous, et ça j'adore dans notre communauté, ça que vous soyez capable aussi de vous aider, mais on va vous offrir. Il y aura peut-être d'autres dates si, euh, si on voit qu'il y a d'autres personnes intéressées, mais je vais offrir pour un groupe de 10 personnes maximum une conférence de 3 heures le matin dans lequel on va travailler sur l'influence de nos habitudes sur le comportement de nos chiens. Notre quotidien, tous les jours, tout ce qu'on fait là, on va parler d'hyperréactivité, on va parler d'agressivité, on va parler euh, de, 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 comment dire, on va parler de, de, de comportement nuisibles. on va parler d'apprentissage, on va parler de relations avec les enfants, on va parler de relations avec les étrangers, parce qu'on a des habitudes dans toutes les sphères de notre vie, et effectivement, on va se retrouver face dans certains cas, à des situations bien particulières. Et là, vraiment, je veux vous outiller. Et les personnes qui seront avec moi pour m'accompagner dans cette, dans cette conférence euh, vont vous donner également des outils complémentaires. On va le faire que pour 10 au départ parce que je veux vraiment avoir l'occasion en 3 heures d'interagir avec chacun d'entre vous. Je veux vous repartir avec du matériel. Et s'il y a un engouement pour cette rencontre, pour, pour cette conférence-là, je donnerai d'autres dates. Mais c'est vraiment un test béton, on va dire ça. Je l'offre à un prix de 195 exceptionnellement. Elle vaut un petit peu plus cher parce que... Mais là, je la commence à ce prix-là parce que je veux, les te... je veux la tester d'abord. Donc, vous me direz, ceux qui sont intéressés, je prendrai les dix premiers noms qui, dans les commentaires qui seront faits, vous avez juste à marquer oui pour la conférence du 26. Les dix premiers qui me le diront dans les commentaires de notre rencontre aujourd'hui, je prendrai ces personnes-là. Puis si je vois qu'il y en a d'autres, puis que ça... Je créerai une autre cohorte derrière pour, pour la faire. Je, je le ferai vraiment s'il euh, si, uh, si y a tout cet enthousiasme-là. Fait que le 26 mars de 9h à midi, c'est un samedi matin. Je vais pouvoir aussi vous permettre de vivre votre semaine. Vous verrez, c'est un moment super convivial et on va avoir du fun. Euh, vous verrez, vous découvrirez mes chiens sous un autre angle également. Fait que là-dessus, j'ai juste à vous remercier mille fois, mille fois. X mille, <laughs> mille fois, fois mille parce que euh, ben c'est grâce à vous en un sens qu'aujourd'hui ben, de ma passion j'en ai fait ma vie euh, merci d'être là merci de me faire confiance euh, pour tous mes clients que j'ai présentement et pour mes futurs c'est tellement un honneur c'est tellement un privilège de pouvoir euh, travailler avec vous de me permettre à moi de continuer à être meilleur grâce à vous, grâce à vos chiens, grâce à votre accueil, grâce à. Vous me parlez de générosité, merci, mais merci à vous également. Là, c'est vous aussi qui me faites de quoi. La présentation va rester disponible sur la page Facebook de manière indéterminée dans le temps. Fait que n'hésitez pas à aller la reconsulter, à la re-regarder. N'hésitez pas à me poser vos commentaires pour ce, ce point-là également. Et pour tous ceux qui seront intéressés pour la rencontre du 26, juste à me mettre votre nom sur euh, oui pour le 26 euh, dans les commentaires et les dix premiers qu'ils feront, c'est comme ça que je vais le faire, euh, ben on partira en aventure ensemble pour une demi-journée complète. Fait que je vais vous souhaiter une très belle soirée. Ayez du fun, passez un bon moment avec vos chiens. La vie est définitivement plus belle avec un chien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence gratuite. Salut à tous. Là, c'est le moment où vous savez, on regarde le bouton pour se dire euh, OK, c'est où que tu appuies pour arrêter tout ça eh, Salut. Eh, salut tout le monde. Je vais en profite pour dire salut à tout le monde le temps que je vois le, le nombre de personnes qui disparaissent. »« Comme ça, ça va me permettre. Merci à toi, toujours dans l'amour que tu as. Oui. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Oui, pour la conférence. Ok, Nathalie, c'est noté. Tu, te, tu, tu, es, tu, tu es inscrite. Merci Julie Bourg pour vulgariser les aspects essentiels qu'on a. Oui, ouais, ça, c'est mon ma job de vie, la vulgarisation. Mais vous verrez que le 26, là, ça va être. Euh, ça va vraiment être épique. Ça va vraiment être épique. Merci, Catherine. Merci pour votre générosité. C'était fort intéressant. Merci à vous. Vous savez que je fais ça pour euh, m'assurer que vous ayez tous les outils pour garder vos chiens avec vous. Moi, je suis un pro. Euh, pro euh... Je suis pas pour l'abandon, je suis pour l'adoption responsable. Mais quand vous avez votre chien, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je suis là pour m'assurer que vous passiez au travers. Merci à vous. Merci, France. Merci, merci Julie. Merci, Sylvie. À toi également. Merci Nadia, merci Johan. Merci Anne. Hey, tu étais là aussi. <laughs> Salut Guylaine, merci à toi aussi. Bon, ça disparaît tranquillement, pas vite. Ouais, le beau Jake, hein, Sylvie, hein, je postais encore là, mais oui, il est beau. Hein, est... Je ne sais pas si je vais pas le garder. <laughs> je ne sais pas si je vais pas le garder. <laughs> Merci Jean-Jacques, merci, ben merci, merci à vous, merci à vous, merci infiniment. Hey, salut Vincent, salut petit loup, comment ça va toi Salut à Luc aussi, oui, salut à Luc. Salut à Luc. Qui c'est que je n'ai pas vu hey, C'est tombé d'un seul coup. fait que. Merci à toi, sens toujours l'amour que tu as pour les chiens et les nôtres. A bientôt. Salut Manon. Salut. Julie. Merci de bien me vulgariser les aspects effectivement. Salut Isabelle, merci à vous. Vous pouvez me l'écrire en privé aussi hein, si vous voulez participer à la, à la, à la rencontre là. On, on va avoir, je vais prendre les inscriptions. Euh, C'est pas pour maintenant, fait que j'ai le temps. Donc vous pouvez m'écrire au privé aussi pour ceux que ceux qui sont encore là. Il n'y a aucun problème. <laughs> salut tout le monde. Allez, je pense que là on va se dire salut. Hein. Moi j'ai du mal. Hein, il reste dix. Merci pour tous vos likes. Merci d'avoir été là ce soir. Merci vraiment. Salut. Ah, onze. Ah, il y a du monde qui s'est reconnecté, dis donc. Moi, <laughs> ouais, je ne peux pas vous laisser partir. Vous savez, moi je ferme la porte de chez nous quand tout le monde a quitté la maison. Hein. Mais il y en a peut-être qui ont laissé tourner en même temps. Bon, hey, je vais arrêter là parce qu'il y en a peut-être qui ont laissé tourner le truc. Eh, hey, 1h29, c'est ben en masse. Salut